Chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, écoutez, je suis très heureux de pouvoir être parmi vous ce matin. À l'occasion de cette journée d'études qui a pour titre orientation principale sur le travail social de l'adresse de Nicole Questiau en mai 1982 à aujourd'hui, quels enjeux de continuité et de rupture ? Je m'appelle Sébastien Jakubowski et je suis le directeur de l'INSP de l'Académie de Lille. Peut-être ne connaissez-vous pas l'INSP, c'est l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation de l'Académie de Lille Hauts-de-France, décliné dans son nom complet. Institut qui a pour mission de porter la formation des enseignants, initiale et continuée, de l'Académie de Lille, dont le premier degré, le second degré et les CPE, conseillers principaux d'éducation, en partenariat avec les quatre universités régionales de cette académie, Université de Lille, bien sûr, à laquelle nous sommes intégrés, Université d'Artois, Université Polytechnique des Hauts-de-France et Université du Littoral Côte d'Opale. Et puis nous avons également le rectorat de l'Académie de Lille, qui est notre partenaire privilégié. Bref, c'était le petit instant d'autopromotion de l'Institut. Vous m'en excuserez, mais comme vous vous situez dans les locaux de l'INSP de l'université, évidemment, il me tenait à cœur de vous repréciser ces éléments pour celles et ceux qui, par ailleurs, ne les connaîtraient pas. Je dis ça d'autant plus facilement et en toute modestie, puisque je dois dire que, pour ma part, jusqu'il y a quelques semaines, je ne connaissais pas le CNAES, je vous le dis très humblement, Conservatoire National des Archives et de l'Histoire de l'Éducation Spécialisée et d'Action Sociale. Donc vous m'avez déjà au moins fait connaître le CNAES, et puis d'autres choses, évidemment aussi. Donc c'est toujours un plaisir quand on accueille des partenaires, des structures, des journées d'études qui nous apprennent un certain nombre de choses, et j'espère que les étudiants partageront également cet apprentissage. Donc ravi et un plaisir pour moi d'introduire cette journée, donc organisée par le CNAES, que vous connaissez mieux que moi, en soutien avec l'INSP de l'Académie de Lille, et la participation de l'Institut Régional du Travail Social Hauts-de-France, ainsi que de l'association GAP, je ne sais pas ce que veut dire GAP en toute honnêteté, mais vous me préciserez. Et donc cette journée s'inscrit dans le cadre des dialogues du CNAES, mais j'imagine que Madame la déléguée régionale reprécisera peut-être un peu tout ça. Donc je suis très heureux aussi au nom des équipes de l'INSPE de vous accueillir. Je remercie en particulier Florence Leca, en particulier évidemment Léna Lemoyne, le service com, et puis bien évidemment Bruno Carlier, que vous connaissez sans doute toutes et tous. Tous les trois ont été vos interlocuteurs privilégiés pour faire de cette journée une réussite. Les autres services de l'INSPE y ont œuvré également, je ne les cite pas toutes et tous, mais vous mangerez ce midi à l'INSPE, je pense que, et je suis sûr même, que vous recevrez le meilleur accueil. Je voudrais également saluer les collègues anciens collègues du Clercé qui sont dans la pièce. J'ai vu Michel Hottès tout à l'heure, j'ai vu Bruno Durier, ils sont là tous les deux d'ailleurs. On partage cette affiliation institutionnelle. Et je dois dire, comme ils le savent d'ailleurs, que, enfin moi pour Bruno, Michel, je ne sais pas s'il se souvient de moi, mais moi je me souviens de lui. Ma thématique de spécialité n'est pas le travail social, mais en tant que sociologue, j'ai néanmoins quelques connaissances sociologiques et bibliographiques sur le travail social issues des travaux de Robert Castel. Et Bruno Durier me disait tout à l'heure que Michel Hottès avait fait sa thèse avec Robert Castel, qui est l'un des penseurs de la question. Puis dans notre labo, il y a aussi Lise de Mailly qui a travaillé sur les questions du travail social au travers de l'analyse des métiers relationnels en tout cas, et de la manière dont ces travaux peuvent être, enfin dont la relation peut parvenir à construire une relation qui n'est pas qu'une relation sociale, mais en partie aussi une relation sociale. Bref, je divague un peu. Cette journée est consacrée donc aux rencontres autour d'une question qui pour vous et pour nous est importante. Elle est initiée donc par la délégation Hauts-de-France du CNAES, comme je l'ai dit tout à l'heure, et elle vise à rassembler tous ceux qui, comme vous, sont soucieux de l'histoire du travail social, même si elle ne se limite pas à cette histoire du travail social. Cette journée d'études, elle contribue ou elle vise à contribuer à conscientiser les enjeux du présent, y répondre aussi par le canal des expériences et des engagements du passé. Et je pense que l'interview de l'ancienne ministre vise aussi à inscrire vos travaux dans cette profondeur historique quant à la connaissance et à la genèse du travail social, et puis à l'existence de cette profession ou de ce champ professionnel du travail social, même s'il n'y a pas, il y en a, mais pas que. Une profession pleinement constituée autour de ce travail social. Et donc l'objectif est aussi de parvenir à rendre plus historiques ces modes de pensée, de fonctionnement,
au travers de la construction, de la reconstruction d'un discours collectif. Au sein de l'INSPE sont évidemment des valeurs que nous partageons, puisque dans CNAES, il y a éducation, que nous avons évidemment aussi dans notre nom d'institut. Valeurs que nous partageons et que nous défendons, au travers, je l'ai dit très brièvement tout à l'heure, de notre offre de formation et de recherche, mais aussi au travers d'une priorité stratégique dans notre projet de l'Institut, qui est l'école inclusive. Et peut-être, ne le savez-vous pas, mais nous avons une offre de formation qui est centrée sur l'école inclusive et qui s'articule également avec une politique de recherche centrée sur l'inclusion, au travers notamment d'un programme d'investissement d'avenir qui s'appelle 100% IDT, 100% inclusion, un défi, un territoire, en partenariat avec d'autres INSPE de l'Académie, d'Amiens, de Caen et de Rouen, et qui vise justement à essayer de faire en sorte que ce patrimoine éducatif, mais aussi ce patrimoine social, puisse être amené à être questionné, réfléchi et interpellé de par le passé, mais aussi et surtout pour les pratiques éducatives de l'avenir. Donc je remercie, je l'ai dit tout à l'heure, les collègues de l'INSPE, évidemment aussi Bruno qui, de par ses travaux de recherche, est à l'interface finalement des différents univers. Et nous avons l'habitude au sein de l'Institut, depuis maintenant plusieurs années, d'essayer à chaque fois que cela est possible d'accueillir un certain nombre d'événements qui nous amènent aussi à faire en sorte que nos étudiants puissent, dans la mesure du possible, y participer. Ceci dans la ligne directrice et stratégique de faire de l'INSPE une maison commune de l'éducation au sens large du terme, et de faire en sorte que notre institut puisse s'emparer d'un certain nombre de questions sociales ou de questions éducatives dites vives, que ce soit sur les questions du travail social, que ce soit sur les questions de la protection de l'enfance, que ce soit sur les questions de la protection judiciaire de la jeunesse, etc., etc. Notre rôle et notre objectif, tant d'un point de vue de la formation que de la recherche, est bel et bien aussi de contribuer à cet éclairage du rayonnement, je dirais, social, du rayonnement éducatif et du rayonnement par la formation et par la recherche. Je ne serai pas plus long, je vais céder la parole à Madame la déléguée générale. Je vous souhaite à toutes et tous, au nom de l'ensemble des équipes de l'INSPE qui se sont pleinement mobilisées pour essayer de vous accueillir au mieux aujourd'hui, vous souhaiter une très belle journée d'études. Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence pendant la durée de ces travaux. Vous comprenez bien que d'autres activités m'amènent par ailleurs à devoir m'absenter. Je sais que vous avez un certain nombre d'invités qui sont des invités de marque et que le programme a été constitué de telle sorte qu'il puisse répondre à l'ensemble des objectifs et des attentes qui sont légitimement les vôtres aujourd'hui. Très belle journée à toutes et tous et à très bientôt. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette journée où, pour plagier la revue Esprit, eh bien nous questionnerons tous ensemble « Il était une fois le travail social ». Vaste programme. Auparavant, bien sûr, je tiens à saluer plus particulièrement notre président du CNAES, M. Bernard Riquel, présent parmi nous ce matin, ainsi que M. Chauvière, éminent débatteur sur le sujet du travail social et qui aura la lourde responsabilité de partager avec nous cette question à partir de la circulaire de Nicole Questiot de 1982. Cette journée se déroule à l'université et c'est pour nous, CNAES, tout un symbole parce que le CNAES a toujours eu le souci de faire le lien entre les interventions publiques et les interventions privées. Donc nous sommes particulièrement heureux ce matin d'être accueillis à l'université. Merci Monsieur le Directeur pour cet accueil et merci aussi pour toute la logistique mise à notre disposition et surtout pour la présence de vos collaborateurs extrêmement précieux, autant dans la réalisation de nos vidéos que dans toute l'organisation. Merci à vous tous aussi, nos adhérents ou partenaires, l'IRTS, le GAP, les associations, tous les partenaires qui viennent témoigner
des ruptures et des continuités dans le travail social et qui aujourd'hui avec nous s'interroge comment faire société. Et on compte parmi nous beaucoup d'étudiants ce matin et nous comptons sur vous pour prendre la mesure de vos attentes. C'est vous qui allez assumer la relève. On a déjà dû vous dire au cours de votre formation qu'on a besoin de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, pour construire le monde de demain. C'est vrai dans nos vies personnelles, mais c'est bien sûr essentiel dans notre métier de travailleur social. Savoir d'où l'on vient, c'était la volonté des fondateurs du CNES il y a maintenant presque 30 ans. Notre anniversaire sera en 2024. L'objectif de ces fondateurs était ambitieux, relier avec méthode et rigueur les traces écrites et orales du passé avec le présent et les enjeux sociétés de l'avenir. Bien sûr, progressivement, nous avons mis en place de nombreux outils. Vous les retrouverez placés sur la table là à l'entrée. Vous avez quelques dépliants qui vous expliqueront ce qu'est le CNES. Collecte des archives, journée d'études, guide des sources, site internet, bulletin trimestriel, portail de ressources enfants en justice, recueil de la mémoire, témoignages, intervention dans les écoles. Mais rassurez-vous, le CNES n'est pas une association d'anciens combattants. C'est toute une équipe qui se retrouve sur des valeurs qui nous font agir au quotidien, qui témoignent qu'il y a toujours eu dans l'histoire du travail social des pionnières et des pionniers qui ont su au cours de l'histoire s'inventer, s'adapter et se réinventer, se renforcer enfin dans une utopie collective de bâtir ensemble cet autre monde dans lequel nous voulons vivre. Certains diront que la circulaire de Nicole Questio relevait elle aussi pour beaucoup de l'utopie. Mais je reprendrai volontiers ce matin en ces temps très complexes, cette belle définition de l'utopie. Je fais un pas en avant, l'utopie recule. Je fais 10 pas, 50 pas, l'utopie recule toujours. Alors, à quoi sert l'utopie? Eh bien, l'utopie sert à avancer. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Et je passe le relais à... Alors, je vais démarrer d'abord en remerciant mes étudiants qui, pour des raisons d'absence d'intervenants ce matin en cours, sont présents ici un petit peu à leur corps défendant. J'espère, alors ça permet de remplir un peu la salle, mais j'espère aussi qu'ils en tireront quelque intérêt. On devait normalement avoir une juge des enfants qui venait présenter son boulot devant eux. Je leur avais bien vendu la juge en question. Elle ne peut pas venir finalement pour des raisons essentiellement politiques et syndicales qui sont infiniment respectables et qui ne m'étonnent pas de sa part. Et donc, c'est un petit peu au pied levé qu'ils nous rejoignent. Je crois que, alors, comme historien, il me semble que le CNES a un rôle un peu particulier. Mireille l'a dit déjà un petit peu, le côté fondateur, le côté... Et je ne peux pas m'empêcher de penser ici à quelques-uns des gens qui ont monté la section locale, le groupe local du CNES. Je pense à Germain Viard, je pense à Gérard Pesé, je pense à Marcella également, qui ont fait partie de ces gens, de ces diplodocus, ils s'étaient appelés comme ça, ils s'étaient surnommés comme ça, qui ont monté l'association en 1994. Justement, comme elle l'a dit, Mireille, à l'interface entre leur propre expérience, le constat qu'en quittant leurs activités dans le travail social, leurs activités d'éduc ou de responsable, une partie de la mémoire disparaissait en même temps qu'eux, et cette volonté à la fois de conserver une mémoire orale des pionniers, en quelque sorte, et de conserver la mémoire écrite des établissements qui, en se rénovant,
ont tendance à abandonner dans leur cave, dans leur grenier, les archives qui prennent l'eau, qui brûlent et qui disparaissent dans l'ébène. Là, il y avait un vrai enjeu. Et il me semble que le groupe local, le groupe régional du CNES continue ce travail. Et la journée d'aujourd'hui en est un exemple. Et c'est important, je crois, d'insister là-dessus. Et donc, même si mes étudiants ne sont pas, pour la plupart, historiens, il me semble qu'il y a un vrai enjeu là, de porter la mémoire du secteur et également le travail. Je salue également, c'est important de le dire, Youssef, hein, qui est l'auteur d'un des exemples des supports d'activité des recueils qu'on a vu un petit peu circuler tout à l'heure, tout en haut du bandeau du CNES. Parmi les activités du CNES, en dehors donc des interventions dont les écoles, et en particulier on le fait chaque année à l'IRTS, participer à la rentrée pour donner une petite ouverture historique à la construction du métier, on est tout à fait dans le cadre que Mireille a expliqué. Les outils de travail, les catalogues, les recueils des sources qui sont disponibles, et celui qu'a coordonné Youssef sur les ressources audiovisuelles dans la région à partir des fonds de l'INA, sont également un exemple, il est ici, sont également un exemple des activités non seulement nationales mais également en région qu'on essaye d'ancrer. Donc c'était là pour revenir un petit peu, et il me semble donc que cette journée donc, qui est un exemple de cette collaboration qu'on essaye de mettre en place entre les institutions de formation, celle-ci pour la première fois, l'IRTS de façon beaucoup plus régulière, d'autres écoles de travailleurs sociaux dans la région. Elle a bénéficié, c'est important je crois là d'y insister, Mireille l'a déjà dit un petit peu, Sébastien également y a insisté, du support technique de l'ensemble de l'institution INSPE. Nous avons Florence Leca qui est là-bas, qui est donc la responsable des services administratifs et à qui on doit d'avoir été remarquablement accueillis, et ça va normalement durer toute la journée. Je crois vraiment qu'une journée comme ça ne peut pas fonctionner sans avoir un soutien technique. On va voir après, là aussi ça a été un très beau moment. On a eu la chance d'être reçus par Nicole Questio chez elle au mois de janvier. Elle nous a consacré une demi-journée. Léna, qui est ici, qui représente le service communication, nous a accompagnés. C'est elle qui a assuré la partie technique, hein, c'est elle qui a filmé, grâce à une formation express de Guillaume, qui n'est pas ici, mais à qui on pense très fort, parce que c'est lui aussi techniquement qui a permis, et c'est lui qui a fait le montage derrière, là aussi dans un temps record. On a Julien, qui est tout là-haut, qui travaille aussi, qui va assurer toute la partie technique de la journée, la captation, etc. C'est un exemple hein, qui montre que là aussi on a reçu un accueil impressionnant et une collaboration technique tout à fait intéressante. Et puis enfin, donc, je voulais dire deux mots sur Nicole Questio. Donc elle nous a reçus chez elle, dans sa maison, vous le verrez tout à l'heure dans les vidéos, et j'espère que les vidéos vont restituer ce moment assez, assez fort d'un point de vue émotionnel aussi. C'est une mamie de course, Nicole Questio, c'est une dame de 92 ans, on lui avait envoyé une grille d'entretien la veille au soir, le matin, elle avait dû relire ça. Et en fait, elle a parlé pendant 2h30 sans quasiment avoir recours à ses notes. Et ça a été fluide et c'était construit. C'était vraiment impressionnant. Et je crois vraiment qu'il y avait énormément d'humanité qui s'est... Quand on est sorti de ce moment-là, on était assez ému, je crois, précisément parce qu'il y avait ce moment d'échange qui avait été assez intense et qui était assez chouette. Donc nous, on est vraiment, je crois qu'on est ressorti sous le charme de cette dame, et j'espère que ça se verra, parce que véritablement, ça a été un moment de partage extrêmement intense. Et donc, lorsque Nicole Questio, c'est un peu l'objet de la journée, a publié son texte en 82, donc ses orientations principales sur le travail social, qui a été rebaptisé Adresse un peu plus tard, qui modifie peut-être un petit peu le sens du texte d'ailleurs. On est dans un contexte un petit peu particulier, on sort de plusieurs décennies de développement du secteur social appuyé sur un certain nombre de plans extrêmement ambitieux. Il y a eu des constructions, il y a eu un très fort développement du secteur, des bâtiments, quelques-uns, des gens chez nous au CNES ont travaillé sur ce qu'on a appelé à un moment les châteaux du social, qui sont un exemple de ce développement-là. Et on arrive là au tournant des années 80, un moment qui est économiquement un petit peu compliqué. Une des raisons pour lesquelles Questio n'est pas restée au gouvernement, c'était qu'elle avait déclaré qu'elle n'était pas le ministre des comptes, si je me souviens bien. L'idée, c'était la gestion du déficit de la Sécu, ce n'est pas mon problème. La question de l'intendance, je m'en fiche. Il y avait à côté quasiment gaullien dans cette affaire, l'intendance doit suivre. Et ça avait dû faire partie, je pense, des raisons pour lesquelles elle a été un petit peu éjectée rapidement. Donc ce moment un peu étrange où on sort de deux ou trois décennies de très fort développement du secteur, au moment où la crise économique s'installe, va provoquer sans doute des tensions, des discussions. C'est peut-être, Michel Chauvière reviendra après, c'est sans doute une des raisons qui explique pourquoi ce texte extrêmement fort, ambitieux,
qui est porté par un vrai souffle, avec une vraie volonté politique, et en même temps peut-être un certain mépris du contexte socio-économique, qui donne une forme de doctrine. Finalement, le travailleur social n'a pas véritablement été suivi des faits, et est resté un texte comme ça, un petit peu suspendu, sans véritable mise en application. Et ce sera sans doute un petit peu l'objet de cette journée, que de voir la façon dont ce texte ambitieux, fort, beau, quand on le lit, un vrai souffle qu'on continue à ressentir, me semble-t-il, pourquoi ce texte n'a pas finalement véritablement abouti. Et je crois qu'un des objets de la journée, en plus donc des tables rondes, va être aussi de voir la façon dont les jeunes professionnels d'aujourd'hui sont capables de se saisir, 40 ans après, de ce texte-là, voir comment de jeunes futurs travailleurs sociaux, éducateurs essentiellement, si j'ai bien compris, sont capables de lire, de comprendre et de porter finalement les objectifs extrêmement ambitieux dont ce texte est porteur. Et donc je laisse la parole à Youssef qui va continuer l'intro en espérant qu'on n'a pas trop dépassé sur le temps. Il y aura 5 minutes et je m'en tiendrai 5 minutes. Oui, comme vient de le souligner mon collègue Bruno Carlier, un des objectifs du CNES, c'est de travailler sur les expériences et les engagements du passé pour tenter de comprendre ce qui se joue dans le présent. Alors ça ne veut pas dire que de notre part, il y a une tentative de vouloir mythifier le travail social, notion de travail social que j'entends, dans l'ensemble de ces pratiques, de ces métiers, de ces activités. Donc ni mythifier le travail social, ni l'embaumer non plus dans une nostalgie qui ne voudrait pas en finir avec les fantômes du passé. A contrario, nous ne souhaitons pas non plus contribuer à un discours sur la mauvaise gestion du travail social, sur sa mauvaise organisation, sa prétendue difficulté dans son rapport aux usagers qui les empêcherait de mener à bien leur parcours ou bien d'être freinés dans leur pouvoir d'agir. Donc, ni idéalisation du travail social, ni donc procès, mais tout au plus dans ce que nous avons tenté de faire de par nos actions du passé et comme nous tenterons de le faire aujourd'hui, c'est plutôt une appropriation de ces engagements, de ces expériences dans une démarche, osons le terme, soyons prétentieux et ambitieux, d'historicité, c'est-à-dire de tenter modestement de penser notre rapport au passé et d'essayer de déceler les transformations qu'il peut y avoir dans le présent, d'essayer de voir en quoi il puisse les traces également de ce qui est rendu vivant dans le présent. Et ça nous semble effectivement important. Ça suppose effectivement, comme l'a dit Mireille, comme l'a dit également Bruno, que cette démarche d'appropriation du passé à travers ses engagements et ses expériences s'inscrit également dans une autre démarche qui est celui de la transmission, c'est-à-dire il s'agit pour nous de proposer notamment aux jeunes générations d'inscrire leur présent dans une histoire, mais cette histoire-là nous souhaitons la transmettre non pas dans un passé qui serait neutre mais plutôt un passé qui est signifiant, c'est-à-dire un passé qui puisse d'une certaine manière permettre de réinterroger les enjeux du présent. Et c'est pour cela, nous semble-t-il, qu'il est absolument nécessaire de réhabiliter les récits, les imaginaires, les compétences, les pratiques professionnelles qui ont parcouru cette histoire. Donc, pour ce fait, nous avons tenté, depuis à peu près 2 ans, de mettre en place une démarche que nous appelons dialogue et que nous avons inaugurée avec Michel Hautet, dont je salue la présence parmi nous, dialogue qui permet de nous approprier aussi une histoire du passé, un texte, mais en le soumettant aux acteurs du travail social pour tenter de le retravailler collectivement. L'idée derrière ça, bien évidemment, c'est de dire et c'est d'inviter les acteurs du travail social à être dans une autonomie de pensée, à penser par eux-mêmes, ce qui ne veut pas dire que pour autant on ne doit pas penser avec les autres. Il y a Michel Chauvière, il y a Michel Hautet, ça fait partie des compagnons de route de notre réflexion dans nos enjeux professionnels. C'est simplement tenter de construire une réflexion, un dialogue qui rompe avec le mimétisme,
en l'occurrence aujourd'hui, le mimétisme de le managérial entrepreneurial, tant dans les pratiques, dans la sémantique. Et ça, c'est vraiment une invitation que nous voudrions faire. Et c'est pour ça que le texte, d'ailleurs, de Nicole Kessio nous a intéressés, parce qu'il il permet vraiment de replacer le travail social dans un cadre plus large qui est celui de l'action sociale. Et de l'action, ce texte, il est intéressant parce qu'il ne se limite pas situer les transformations à travers la seule application des politiques publiques. Bruno Carrier l'a dit tout à l'heure, ce texte tente de faire émerger une doctrine du travail social, c'est-à-dire une manière globale de le définir, de l'expliquer, de l'interpréter, avec tous les enjeux que ça suppose. Donc, dans cette démarche, il nous a semblé intéressant, bien évidemment, de faire appel, dans le cadre de cette politique de relecture de ce texte, donc à des acteurs, et en l'occurrence, le premier d'entre eux, Michel Chauvière, qui se justifie plus d'un titre. Alors, Michel Chauvière, il est sociologue, il est politiste, il est donc directeur de recherche émérite au CNRS, et au Centre d'études de recherche de sciences administratives de l'Université de Panthéon-Assas. Alors, je ne vais pas citer tous les ouvrages qu'il a écrits, sont nombreux. Je me contenterai simplement de vous indiquer quelques-uns qu'il a écrits ou co-écrits au cours de ces dernières années. Il y a « Qui gouverne le social » avec Michel Borgetao. Il y a « Trop de gestion tue le social ». Il y a « L'intelligence sociale en danger » en 2011. « Dialogue sur le génie du travail social » avec Dominique Depen et Martine Trapan, deux travailleurs sociaux. Et enfin, « Debout nos métiers du travail social » en 2019, avec un certain nombre de co-auteurs. Et puis également avec un collectif, vous savez, dans les années 2000, se sont créés, on a vu émerger dans le travail social un certain nombre de collectifs, qui est le rassemblant d'un certain nombre de travailleurs sociaux qui avaient besoin d'élargir le cadre institutionnel dans lequel pensaient agir. Et Avenir Éducateur et Éduc était un de ces collectifs qui s'est créé, qui s'est structuré et qui a duré un certain nombre d'années. Donc là, il s'agissait pour ces auteurs donc, de mobiliser collectivement les professionnels pour défendre leur histoire, leur pratique, leur formation face aux réformes qui modifient donc l'exercice de leur métier. Voilà. Donc, Michel Chauvière, ça nous intéressait de le faire venir parce que sa méthode de recherche consiste justement à analyser le champ dans les différents aspects qui sont les siens, c'est-à-dire l'histoire, les institutions, les professions, les savoirs et les pratiques. Et aux questions qu'il s'est posées dans un de ses textes, hein, ces questions sont les suivantes. De quoi est-ce le social réalisé? C'est un de ces termes de prédilection. Hein. D'ailleurs, pour lui, le social réalisé, c'est le social en acte. Et comment a-t-il tenu jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, il répond par des recherches qui prennent appui sur ce qu'il appelle un idéal type structurel, qu'il emprunte en partie à Robert Castel, fait de quatre piliers, quatre supports, droit, institution, connaissance, savoir et clinique. Michel Chauvière est réticent à l'idée de faire du travail social une discipline scientifique à part entière. Et on est bien d'accord avec lui. Michel Chauvière pratique plutôt une sociologie tout à la fois historique, institutionnelle et politique. Donc c'est une invitation aussi à nous réapproprier une parole politique autour du travail social. Donc avant de donner la parole à Michel Chauvière, nous allons bien évidemment entendre les propos de Nicole Kessio, qui, comme le disait Bruno Carrier tout à l'heure, a eu l'honneur de nous inviter à nous entretenir avec elle. Merci à vous. Ils sont où les documents? Ils sont où? Là-dedans? Ouais, c'est oui, ça. C'est ça, normalement. S'il y a une chose dont je suis assez fière, c'est d'avoir signé une circulaire dont on célèbre l'anniversaire 40 ans après, parce que vous pouvez étendre vos études à tous vos collègues de sciences administratives, chercher une autre circulaire dont on célèbre l'anniversaire. Et puisque vous n'êtes pas, votre auditoire ne sera pas des élèves de droit administratif, une circulaire, c'est quelque chose qu'un ministre peut signer tout seul. Autrement dit, c'est la seule chose qui reste de mon activité
81 et 82, où, parce que je pouvais le faire toute seule, je peux me l'attribuer tranquillement. Tout le reste, c'est des arbitrages. Vous avez voulu évoquer le reste de l'action politique de l'époque. Oui, oui, oui. Vous me demandez si j'en suis encore contente. J'en suis extrêmement contente. Je ne peux pas dire qu'elle ait été constamment admirée par le monde politique depuis 40 ans. Mais enfin, c'est quand même sur cette table qu'avec mon directeur de cabinet, nous avons rédigé la retraite à 60 ans. Sur cette table. Elle fut décidée après mon départ du gouvernement par ordonnance, mais il n'empêche que je peux penser que grâce à notre entêtement de l'époque, enfin, il y a quand même un certain nombre de mes contemporains qui ont eu quelques années de retraite au lieu d'avoir quelques années de chômeur de fin de travail, de fin de vie de travail. Bon, ça. J'ai jamais été aussi fière de quelque chose dans ma vie que quand je me suis levée devant l'Assemblée nationale en 81 pour défendre notre texte sur les étrangers. Alors, dans tous les textes qui ont été faits sur les étrangers, plus personne, bien entendu, ne parle du texte de 81, ni que nous avons régularisé sans douleur, parce que quels ont été les drames survenus à l'époque, parce qu'on a régularisé quelques dizaines de milliers de sans-papiers pendant cette année. Et je pouvais aller devant l'Assemblée nationale et m'en vanter. Voilà. Je m'arrête là-dessus, je ne parle plus de tout ça. On ne peut pas parler de tout, mais par exemple, c'est le seul dossier que j'ai emporté en 89, en juin 82, c'était le dossier du handicap. Parce que j'étais partante, je le savais très bien, on s'est mobilisé entièrement sur ce dossier. Et si vous voulez, à chaque fois, c'est, franchement, c'est pas sorcier, vous arrivez comme une alternance. Donc vous êtes à l'aise à l'égard du fait que les autres ont eu beaucoup de difficultés à faire ce que vous essayez de faire. Par conséquent, tout commence par un diagnostic. Et les diagnostics de l'époque étaient des diagnostics assez libres, parce qu'on n'était pas enserré par le fait que le prédécesseur, il avait fait ce qu'il avait pu, et qu'on était l'ami avec lui, et ainsi de suite. On était assez libre de notre langage et assez enthousiaste. Et par conséquent, moi, ce que j'ai apprécié dans ce que mon équipe a fait pour le handicap avant que je parte, c'était un diagnostic assez sincère sur les retards considérables qu'on avait quand même sur ce qu'était tout simplement une vie normale pour un handicapé. Et si je parle de vie normale, c'est parce que nous étions quand même des gens de principe. Moi, je suis très influencée par Pierre Larocque, que j'ai vu inventer le principe pour l'étranger du droit à une vie familiale normale. Je l'ai vu l'inventer, le fabriquer, en discutant avec le rapporteur d'un dossier de naturalisation. Après, ça essaime, ça devient un principe de la Cour européenne des droits de l'homme, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, pour moi, handicapé, c'est toutes les raisons pour lesquelles notre société ne permet pas une vie normale aux handicapés. Puis, à partir de là, avec les moyens du bord, qui n'étaient pas énormes, on essayait de chercher les différentes réponses. Voilà, si vous voulez, ces textes restent probablement un peu pour les gens qui les intéressent, à cause de cette sorte de liberté de diagnostic qui était tout simplement dû aux circonstances de la manière dont on avait pris les choses. Et je reviens au thème de la circulaire. Une circulaire peut être signée par le ministre de la Solidarité nationale, tout seul. Tout le reste, qui c'est qui décide vraiment, hein? Qui c'est qui décide? Grosso modo, les finances. La plupart du temps, Premier ministre, et dans d'autres cas, le président. Donc, ensuite, le ministre avance comme un cheval léger et porte la décision. Donc, moi, je peux vous dire que personne ne m'a aidé à rédiger la circulaire qui vous intéresse. Moi, je rentre à l'ENA dans les années 50. L'ENA, je peux vous dire que ce n'était pas celle que l'on vient de supprimer. Dans les années 50, on est obligé... On sort
brut de décoffrage de l'université, dans mon cas de Sciences Po, on rentre, on gagne au concours, on gagne au loto, et on rentre dans l'administration des fonctionnaires stagiaires. On doit immédiatement nous dépayser. On fait un stage d'un an auprès de l'administration active. Je suis en stage à Rouen. À Rouen, nous sommes, comme c'est une grosse préfecture, nous sommes deux stagiaires, un garçon, une fille. C'est l'année 53, on va avoir une grosse période de difficultés sociales. Ça valait bien les gilets jaunes à l'époque. Mon collègue, mon camarade, va avec le préfet sur le terrain des luttes, surveiller le maintien de l'ordre. La fille, on l'envoie sous la direction de l'assistante sociale chef, arpenter les banlieues de la rive gauche de la Seine. Et c'est là que je fais mon stage. Mais c'est là que les paradoxes jouent quand même. Parce que cette petite étudiante qui n'a rien vu de la vie et qui doit se dépayser, elle n'en a plus rien vu non plus des banlieues ouvrières d'une grande ville française. Mais elle le fait avec une assistante sociale. Et elle débarque dans une famille où il y a 8 enfants autour de la table et une grosse dame. Tout le monde mange des sandwichs au pâté. Et l'assistante sociale fait son travail, et moi je regarde. La conversation est étonnante. Il s'agit de savoir pourquoi cette dame, qui a là 4 enfants à elle, 4 enfants qui ne sont pas à elle, touche les allocations familiales pour les 8. La dame répond à l'assistante sociale, « Bon, moi je lui dis, n'est-ce pas, hein, si tu ne me files pas les allocations, bah, je te rends tes enfants, je m'en occupe plus. » L'assistante sociale rigole, chef, et on s'en va. Fin de l'intervention de l'assistante sociale. Et elle m'explique. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà comment ils ont organisé leur vie. C'est vrai qu'il ne peut pas se débrouiller sans elle. Mais elle, du coup, il faut quand même... Elle me l'explique. Et moi, je tombe des nues. Je tombe vraiment des nues que... C'est comme ça que l'on vit. Donc, Léna ne marchait pas si mal que ça, en ce qui concernait le dépaysement, même si on ne peut pas dire que les motifs qui m'ont fait envoyer sur la rive gauche auraient été tellement acceptables à l'époque actuelle. Voilà. Ça, alors, il suit de là, si vous voulez, que par hasard, j'ai toujours été en contact avec des travailleurs sociaux. Par exemple, Pierre Larocque, dont l'épouse était secrétaire générale du SSAE, Service social d'aide aux émigrants, m'envoie d'office donner un coup de main à sa femme. On ne refuse pas au président Larocque. Donc, j'ai connu de grandes créatrices, les créatrices du SSAE, les inventrices du Service social d'aide aux émigrants, qui étaient de grandes dames et qui aimaient théoriser leur activité. J'ai ensuite présidé pendant un certain nombre d'années l'association de gérontologie du 13e arrondissement. La gérontologie avait été créée par un grand orfèvre, un grand inventeur de l'aide à domicile aux personnes âgées, le docteur Ballier. Un beau jour, il en a marre, il décide qu'il lâche la gérontologie et qu'il va faire autre chose dans les prisons à Grenoble. Il me laisse présidente de l'association. La ville de Paris, à l'époque, qui finançait entièrement cet organisme, au bout d'un moment, sans le docteur Ballier, décide qu'après tout, la ferme. Et c'est tout juste si je n'ai pas été obligée de payer les indemnités de licenciement des travailleurs sociaux qui étaient employés par la gérontologie. La ville qui fermait, qui arrêtait ses subventions, elle s'en moquait. Moi, j'étais responsable. Voilà, si vous voulez, ma découverte de la vie associative. Si les travailleurs sociaux en cause n'avaient pas trouvé que c'était moche de me faire payer, j'aurais été obligée de m'exécuter. Je dis cela, et puis ensuite, j'ai passé de nombreuses années au bureau de France Terre d'Asile, où j'ai vu tous les hauts et les bas des actions créatrices, des actions nationalisatrices de l'État sur ce qui a été créé,
des allées et venues de ce que l'on a, ce que les pouvoirs publics admirent et puis que ce qu'ils détestent ensuite. Et hélas, j'ai vu liquider le SSAE pendant toute cette période. Donc, je m'arrête là. Si vous voulez, j'ai quand même une expérience personnelle de beaucoup de traits importants de la vie des travailleurs sociaux, soit dans leur aspect très imaginatif, très créatif, soit dans leur extraordinaire dépendance des autres et d'autres qui souvent ne les comprennent pas. C'est ça, je crois, qui me rendait à moi très intéressant de boucler ce document sur le travail social. Nous avions avec le monde syndical un rapport différent, privilégié, ce qui fait que les syndicalistes ont trouvé tout à fait normal d'envoyer des leurs à nos cabinets. Donc, au cabinet du ministre de la Solidarité nationale, il y avait, par exemple, Hubert Le Sirogrel, qui était un grand type de la CFDT de l'époque. Ce texte de la circulaire, il est très largement inspiré par cet homme-là, ainsi que par des fonctionnaires du ministère qui, quand 30 ans après, ils vont commenter la circulaire question, ils vont vous expliquer que ça faisait des années qu'ils voulaient faire ça, les autres, mais qu'ils ne pouvaient pas. Donc, si vous voulez, il y avait quand même un groupe non négligeable de personnes prêts à se mettre autour de la table pour faire ce document. Je dirais d'autant plus de plaisir qu'entre nous, un document, c'est quand même moins difficile quelquefois qu'un arbitrage. Bon. Donc, on a un bon accord pour faire ça. Et alors, vous revenez, n'est-ce pas, à l'idée que certains des thèmes, là, vont quand même prendre beaucoup d'importance. Je dirais que ce qui est important dans cette circulaire, c'est que les thèmes dont nous allons parler dans notre conversation, c'est rarement écrit. Et c'est difficile à écrire. Et d'ailleurs, la circulaire fut difficile à écrire. Parce que c'est évanescent. Tout le monde sait que c'est vrai, mais on ne sait pas dire comment ou pourquoi. Et surtout, on s'adresse à un lectorat ou à des autorités qui, en réalité, ne sont pas d'accord. Le gros obstacle que j'ai vu rencontrer par tous les travailleurs sociaux, mais que moi j'ai rencontré comme ministre chargé des Affaires sociales, c'est que les interlocuteurs qui tiennent les rênes du pouvoir, et ce qui veut dire les rênes financières du pouvoir, en réalité, sont persuadés que le travail que vous faites ou le message que vous portez, il est des plus simples qu'il soit. Qu'en réalité, bon, si ils voulaient, eux, s'intéresser à ça, franchement, ça leur prendrait le quart de leur temps. Enfin, c'est comme ça qu'il... Je ne citerai pas les personnages quand vous allez lui parler de l'aide à l'enfance, qui vous dit que sa mère et sa grand-mère gardaient les enfants. Enfin, quoi ? Les crèches. Croyez vraiment, madame, qu'on a besoin de ça ? Je regrette, je n'invente pas, je ne vais pas vous dire quel est le personnage, qui n'est d'ailleurs pas dans le monde politique, mais qui était très connu dans son monde à lui. En formulant les choses, on peut les formuler autrement, ou on peut dire que c'est idiot, mais au moins c'est formulé. Et à partir de là, ça vous permet de tenir des colloques, de faire des enseignements, de dire que c'est dépassé ou que c'est pas dépassé, ou êtes-vous d'accord ou non, ou de susciter une concertation. Est-ce que c'est encore vrai ? Ou est-ce que vous avez trouvé une nouvelle idée qu'on rajoute à tel endroit du raisonnement ? Je crois que ça, c'est l'apport que nous avons apporté. Et donc, finalement, célébrez-le comme vous pouvez. En réalité, l'idée, c'est au moins on a essayé d'écrire. Voilà. Alors, tout votre colloque et toute notre conversation, ça va être de savoir, au fond, dans ce qui fut écrit, est-ce que ça tient la route ? Est-ce que ça a été utile ? Voilà. Est-ce qu'il y a, il se dessine dans l'air du temps des nouvelles manières d'écrire les choses. Et c'est, l'air du temps est très important dans tout ça. Parce que tant l'alternance de 81 que le thème de la solidarité nationale,
que la manière dont ces équipes de ces années-là appréhendaient les problèmes reposait toutes sur un air du temps. L'air du temps de 81-82 n'était pas celui d'à présent. Il était, comme je vous ai dit, bouillonnant. On n'avait pas digéré mai 68. Mai 68 avait été quelque chose de spontané. Je suppose que les historiens disent autre chose maintenant, mais enfin, c'était dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps. Et nous, on sentait l'air du temps. On se sentait donc porteur d'un sorte d'acquiescement de ce qu'on allait faire. Alors, actuellement, il est vrai que l'air du temps a énormément changé. Et vous allez, dans votre colloque, tâcher de savoir par vos participants en quoi il a changé. Parce que les gens qui étudient le travail social ou qui sont travailleurs sociaux, qui sont dans ces métiers, ce qui n'a sûrement pas changé, c'est qu'ils sont des intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils sont coincés là entre les individus, leur parcours, donc l'air du temps, et tout le reste qui doit faire, le collectif, qui doit faire fonctionner tout ça. Et donc, c'est à eux qu'il faut poser la question. C'est là qu'on sait qu'est-ce qui se passe. Dans mon texte, je le dis, et je crois que vous le dites vous-même, en ayant réfléchi à cette journée, il y a au fond trois thèmes. Il y a le thème, on reconnaît le citoyen usagé comme ayant des droits. Ses droits, c'est d'entreprendre, de réussir son parcours personnel. Le travailleur social est là pour l'aider à réussir son parcours personnel. Premier point, et très important et qui va très loin, à mon avis. Deuxième point, il n'est pas formé au départ pour ça. Il est envoyé par une institution avec l'analyse, la systématisation de situations de difficulté qui sont des écueils que rencontrent un certain nombre de gens, mais partant de situations très différentes. Donc, il n'est pas étonnant que le travailleur social est formé et arrive porteur d'une action qui n'est pas préparée à se prêter immédiatement à tous les parcours personnels. Donc déjà, au départ, même le travailleur le mieux formé, le mieux intentionné, il est dans une position déjà difficile. De même que les gens qui l'ont formé vont être dans une position déjà difficile. Donc il faut, plus on pèse sur le point 1, plus il faut être vigilant pour le point 2. Et le point 3, c'est tout le monde qui finance et emploie les travailleurs sociaux. Et les extraordinaires mutations qui sont intervenues dans ce monde, mutations pleines de contradictions, parce qu'en France, la société civile n'est pas dans la nature des choses. Ça n'est pas dans la nature des choses. Par conséquent, on la salue tout le temps, on lui donne des quantités de choses à faire, etc. Et en même temps, constamment, l'État, stratège dans cette affaire, est-ce qu'il a des regrets? Est-ce qu'il ne comprend pas? Est-ce qu'il il se sent privé de ce qui est au fond le plus intéressant et que ça l'énerve? Bref, il y a constamment une situation instable, je ne dirais pas conflictuelle, il y a des bonnes situations établies, mais elle est tout de même instable. Il n'y a pas cette espèce de respect naturel pour la société civile que vous trouvez en Allemagne ou en Angleterre quand vous parlez des très grandes associations qui ont pignon sur rue comme le ministre. C'est pas vrai ça, ici, chez nous. Donc, et alors surtout, avec notre manie de nous répercuter à tous les étages. Donc, ce qui est vrai au niveau de l'État est vrai à la commune, est vrai au niveau de la commune. Voilà, donc c'est un extrait de l'entretien que Nicole Kessiou nous a donné. Il y en aura d'autres dans la journée pour ponctuer les séquences qui organisent cette journée. Donc,
en lien donc avec les propos qui viennent d'être tenus par Nicole Kessio, Michel Chauvière. Voilà, on va se mettre là. Oui, non, on va s'asseoir. Comme tu veux. Tu veux te mettre au pépite ? Non. Oh, tu peux t'asseoir, c'est mieux. Voilà, s'asseoir. Bien, merci d'avoir enlevé un encombrant. Alors, on m'a proposé une mission délicate que j'ai acceptée, peut-être à tort, mais voilà, je suis rendu au bout. Alors, la question qui a été posée, comment peut-on essayer de mieux comprendre un texte qui a maintenant plus de 40 ans, et j'ai imaginé qu'on ne pouvait pas le faire en étant dans une approche littérale de ce que dit le texte ou de ce que dit simplement son auteur 40 ans plus tard, mais qu'il fallait essayer de rechercher le contexte de l'émergence de ce texte, éventuellement des sources antérieures, et de réfléchir aux effets postérieurs, aux résonances de ce texte dans le cours suivant de l'action publique concernant le secteur social. Alors, je voudrais dire avant tout, et j'ai retrouvé un peu ce même plaisir en écoutant Nicole Kessio, même si je pense les conditions d'écoute sans doute un peu limitées, mais bon, c'est pas très grave, vous avez vu un peu qui est le personnage. Et moi, j'ai eu du régal, un régal certain à lire et relire, parce que j'avais lu ça autrefois, à lire et relire ces pages, parce qu'elles sont riches, elles sont nombreuses, elles sont stimulantes, et ça, je pense qu'il faut que chacun s'y colle, hein. c'est pas compliqué, mais il faut le faire, c'est pas très long. Mais j'ai rapidement été saisi par le fait qu'il y a peut-être un risque d'illusion, en comparant ce qu'elle annonce, ce qu'elle promet, ce qu'elle envisage, et ce qui a été réalisé depuis. On pourrait croire formellement comme ça que les usagers ont gagné. Elle en parle, elle les soutient, elle les justifie cette position, et depuis ça a été fait. Voilà. Alors, je pense que c'est en partie une illusion, c'est-à-dire que les mots sont peut-être là, mais la chose a beaucoup changé de sens, de philosophie, de sous-texte en quelque sorte. Voilà, c'est un peu ce risque-là qui peut exister. Alors, c'est une intervention que je dois dire qui a été difficile à concevoir pour diverses raisons. D'abord, l'absence physique de Nicole Kessio, parce qu'elle est compensée par cet entretien long dont on a eu un morceau, grâce à Bruno Carlier et à Youssef Boudjemaï. Moi, je les en remercie d'ailleurs parce que ça m'a été bien utile aussi de profiter de cet entretien. Aussi parce que, d'une certaine façon, le texte de Nicole Kessio semble ne s'adresser qu'aux travailleurs sociaux alors qu'elle concerne et les travailleurs sociaux et les politiques d'action sociale, qui sont d'ailleurs, comme on le sait, intimement liées, hein, et difficiles à séparer. La troisième raison de difficulté, c'est qu'en ce qui me concerne, je dois confesser un travail empirique bien insuffisant pour traiter un sujet comme celui-là, donc ça sera rapide, et ça sera surtout plein d'hypothèses, parce que je n'ai pas de pièces à conviction à vous proposer, et donc là où je ne sais pas, où je m'interroge surtout, je procède par hypothèse. Il semble que, on pourrait dire que, etc. Pardon pour cette façon de faire. C'est aussi parce que les périodes que je vais évoquer, c'est-à-dire avant 80, les années 70 notamment, et puis après 80, depuis 80, depuis même les 10 dernières décennies, les choses sont compliquées. Rien n'est simple.
Et c'est même très complexe, c'est de plus en plus complexe pour s'y repérer, savoir qui fait quoi, pourquoi, où on va. Aujourd'hui, il y a une plainte générale d'un manque total de perspective, de doctrine, disent certains. Voilà. Et donc, il faut prendre ça en considération. Il y a bien des raisons à cette opacité qui existait déjà, mais me semble-t-il, a reculé un petit peu pendant les années 70 et puis qui est à nouveau reparti depuis la décentralisation, notamment. Voilà. Alors, j'ajoute une dernière petite chose, c'est que je suis moi-même d'un certain âge et donc j'ai connu ces périodes-là. Il y en a d'autres dans la salle, je vois bien aux allures qui se présentent. Mais je pense aussi à tous les étudiants et étudiantes qui sont là, qui n'ont pas connu ces périodes. Et je m'en excuse auprès d'eux. Immédiatement, on va évoquer des choses précises, comme si on était des vieux amis et qu'on se racontait des histoires des années 70. Bon, je ne sais pas comment faire autrement, mais pour vous, on essaiera, enfin, j'essaierai en tout cas d'être aussi précis que possible en vous renvoyant évidemment à des lectures complémentaires si c'est possible et si je réussis à vous convaincre. Voilà. Pour ce qui est du CNAES, alors je me réjouis de cette initiative, j'aurais dû commencer par ça, mais je l'inscris dans une espèce d'orientation qui est encore à soutenir au sein du CNAES, je crois, d'histoire politique du travail social. Pas simplement une histoire des pratiques, des institutions, etc., ce qui est fondamental et qui est en cours de travail, mais d'une histoire plus politique, c'est-à-dire qui prend le risque aussi d'une interprétation, au risque de se tromper, de créer des mauvaises, peut-être des querelles inutiles, mais je crois que c'est utile. Alors, pour attaquer, je voudrais rappeler dans sa conclusion ce que dit Nicole Questio, fait une petite synthèse de ces sujets généraux, et ça me semble relativement bien fait parce que ça montre les domaines qu'elle couvre, pas les solutions, ça je vous laisse les apprécier, mais les domaines qu'elle couvre. Alors j'ai noté, je la cite là, « Amélioration des rapports des usagers, des professionnels, des institutions », pour moi c'est un triptyque qui est relativement important. Deuxièmement, réflexion sur la place des usagers et des personnels dans les institutions. Ça se dit bien dans les institutions. Il y a un leitmotiv institutionnel qui réapparaît souvent. Réflexion sur les rapports pouvoir public et association. Ça a été déjà dit tout à l'heure. Sur la possibilité de tendre à une gestion de l'action sociale plus souple et plus finalisée, à un meilleur repérage des besoins, à une évaluation des résultats plus rigoureuse, à une coordination plus efficace des interventions, négociations sur le statut des travailleurs sociaux, remodelage conventionnel, ça c'est son petit côté syndicaliste, nouvelles perspectives en matière de formation. Et elle ajoute d'ailleurs des promesses de concertation régulière et véritable. Donc tout ça est un programme excellent, enfin, du point de vue des domaines qui sont annoncés. Alors, je voudrais partant de là vous proposer quelques éléments un peu problématiques, quelques hypothèses qui sont les miennes après cette lecture, cette première lecture, pour essayer de fonder un peu le plan que j'ai décidé de mobiliser. Alors, pour moi, cette adresse de Nicole Questio, rendue publique, donc je rappelle, ça a été dit le 28 mai 82, dans une période d'alternance politique enthousiaste, mais certainement plus complexe qu'il n'y paraît. L'emploi du mot adresse, alors elle a repris ça tout à l'heure, Nicole Questio, et c'est tout à fait important, je vais le redire à nouveau, est précis, sympathique même, ambitieux, sympathique parce que c'est plus direct hein, de parler d'adresse que de parler de circulaire, c'est un peu froid une circulaire, mais c'est prudent comme formule, ça reste très prudent, et d'autant plus que ce texte, même si elle a eu de la liberté pour l'écrire, c'est ce qu'elle rapporte et c'est tout à fait concevable, ne reste une circulaire, c'est-à-dire n'entraîne guère de contraintes. Hein. C'est comme le degré le plus bas des normes juridiques, c'est-à-dire c'est pas ce avec quoi on reconstruit la société, c'est ce avec quoi on incite les gens à aller dans une direction ou dans une autre. Donc c'est du droit souple, c'est du droit tout à fait souple. Alors ça me paraît tout à fait important de le rappeler. Il ne faut pas lui en faire dire trop. Mais en même temps, il faut bien spécifier ce que ça dit,
ce que ça veut dire. Alors, c'est un acte, malgré tout, c'est un acte politique. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai mon mouchard. Alors, je disais donc que, malgré toutes ces limites qu'on peut trouver, formelles, c'est un acte politique authentique. Hein, authentique, à la fois très personnel, audacieux d'une certaine façon, car inattendu sur un objet singulier comme le travail social, dont je rappelle que le statut politique est alors très secondaire. C'est pas une catégorie forte, puissante de l'action collective. Et je rappelle aussi qu'on est juste après la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing et la fin du gouvernement de Raymond Barre, grand ministre devant l'Éternel, recruté par VGE, mais aussi premier ministre de l'économie, économiste, enseignant économiste et libéral affiché. Donc on a un contraste là important au sein même des sept années giscardiennes entre le premier temps, le premier binôme VGE-Chirac, et on a la période un peu libérale positive, on a parlé de secrétariat d'État à l'action sociale par exemple, et la deuxième période beaucoup plus serrée, beaucoup plus libérale au sens économique du terme, avec Raymond Barre. C'est important parce qu'il y a des choses qui démarrent ou qui s'arrêtent. Et c'est vrai qu'un des premiers actes de Raymond Barre a été de supprimer le secrétariat d'État à l'action sociale. Le remplacer par un pseudo-secrétariat d'État à l'action sociale qui n'a rien fait et qui a attendu que le temps passe. Non, c'est petit détail, mais pour montrer que le statut politique de ces choses-là est quand même assez fragile. Alors, dans le milieu professionnel, bien que cette note soit plus symbolique que normative, je pense qu'il faut lui trouver cette qualité-là. L'adresse est quand même considérée, c'est en ce sens-là que c'est un acte politique, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, comme un acte de grande importance historique. Moi, je reprends ça chez les acteurs qui en parlent encore et qui en parleront encore longtemps, je pense, parce qu'on y trouverait, les éléments de base d'une possible doctrine. D'une possible doctrine qui fait défaut, globale. Alors le terme de global est important parce que ça fait écho à d'autres travaux antérieurs sur l'action sociale globale, Bernard Laurie par exemple, j'en dirai deux mots tout à l'heure, dans un domaine qui reste quand même hétérogène, opaque, qu'il s'agisse de la mise en œuvre institutionnelle, qui est quand même assez compliquée, on a beau faire un hymne comme elle le fait, la société civile en France par rapport à l'Angleterre ou à l'Allemagne, à mon avis, ce n'est pas très convaincant comme argument. Le fait est que tout ça est très désordre. Hein, désordre et en même temps sympathique, mais désordre. Et aussi pour les actes professionnels. Voilà, ce sont ces trois aspects que je voudrais essayer de creuser en avançant. Alors, comprendre l'adresse. Ce qu'elle doit l'adresse au moment politique de sa rédaction, comment ça a été possible à ce moment-là, et pourquoi. Deuxièmement, évoquer les années 70, non pas pour le texte, mais ce que j'ai appelé le sous-texte, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue pendant ce temps-là, qui pèse sur la possibilité même de l'adresse, enfin sur le moment 81. Et puis enfin, analyser diverses résonances ultérieures hein, de ce texte, qui a été un texte contrarié, bien évidemment, par les faits, hein, par sa démission, par ses difficultés propres au sein de l'exécutif. Alors, pour éclairer la signification et les limites de cette pratique épistolaire étonnante, il faut d'abord se rappeler quelques faits. Avant tout, évoquer les conditions dans lesquelles Nicole Questiot devient ministre d'État quelques semaines seulement, dans le tout premier gouvernement de Pierre Mauroy,
puis ministre tout court, mais toujours de la solidarité nationale. Alors, j'étais étonné d'ailleurs que dans son interview que je réécoutais, là, elle parle guère du marqueur solidarité nationale. Elle parle communément des affaires sociales, ce qui n'a pas du tout le même sens. D'ailleurs, je signale que lorsqu'elle va démissionner en 82, elle sera remplacée par Pierre Bérégovoy, qui va immédiatement être chaussé, du ministère des Affaires sociales et de la solidarité nationale. C'est-à-dire qu'on déclasse au rang numéro 2 la solidarité nationale, alors qu'elle était au rang numéro 1 du temps de Nicole Questiot. C'est important, parce que ça n'engage pas du tout les mêmes perspectives. Solidarité nationale, ça veut dire que ça procède de quelque chose qui est supérieur, antérieur, général. Quand c'est des affaires sociales, on n'est pas loin des affaires, tout court. Hein, on n'est pas loin des affaires. Donc c'est déjà présent, cette dualité-là. Et elle travaille depuis déjà un certain temps. Je vais essayer de le dire. Alors pourquoi solidarité nationale ? Il semblerait que ce soit une invention de Pierre Mauroy, qui aurait imposé cette... C'est ce qu'elle le dit, oui. Elle le dit, bon, alors peut-être que je l'ai entendu là, mais je l'avais déjà entendu avant. Donc, pour une des sources, ça va être un peu compliqué, parce qu'on n'en a qu'un petit bout. Et ça, au début de la présidence de Mitterrand, alors c'est un marqueur, évidemment. Je note aussi qu'en 81, la même Nicole Questiot se présente avec succès aux élections législatives à Paris, mais elle ne siégera absolument pas puisqu'elle est ministre, donc ce qui est contradictoire. Alors c'est une réponse, c'est une période de rupture politique, d'alternance, d'union de la gauche, avec de l'enthousiasme dont elle témoigne d'ailleurs, hein, et avec notamment cette croyance dont elle témoigne également, ça je l'y reprends, parce que comme je n'ai pas tout en tête, et vous le savez beaucoup plus que moi, cette croyance qu'on allait ensemble changer la vie. D'ailleurs, c'était un slogan, hein, un slogan de l'époque. Hein ? Et une chanson. Une chanson, enfin bref, tout. Théodore Akis qui avait mis la musique. Oui, voilà, c'est ça. Alors, elle nous dit aussi qu'elle n'a été qu'un instrument. C'est une formule que j'ai trouvée assez bizarre. Un instrument, je ne comprends pas cette fausse modestie, hein, quelque sorte, après coup, c'est-à-dire 40 ans après, quand on a été ministre d'État à 40 ans. Elle a 40 ans, Nicole Questiot, quand ça se passe. Il y a quelque chose qui détonne là, je ne sais pas. Mais bon, c'est un trait personnel. Alors, les membres de son cabinet, bon, sont nombreux, je ne vais pas donner tout le monde, mais... plusieurs personnes sont importantes. Son directeur de cabinet, avec lequel elle avait déjà travaillé à la préparation du sixième plan, un certain Daniel Fabre. Deux chargés de mission qui étaient un peu hors cabinet, qu'elle avait nommé elle-même vraisemblablement, un certain Bernard Menasser de la Cour des comptes. Bon, voilà, c'est de ce côté-là que ça va pêcher, sans doute pour elle. Et Le Sirogrel, Hubert Le Sirogrel, syndicaliste CFDT du Parti Socialiste. Et c'est un nom important parce qu'elle dit elle-même qu'il aurait été co-rédacteur de l'adresse. Donc il y a une piste là qui serait à comprendre. J'ai quelques idées, mais je vous les donne. Plus une série de conseillers techniques, je passe sur cette liste. Pour dire simplement un petit mot de Pierre Gauthier, futur énarque, à la fois est un énarque et drasse de l'Aveyron, hein, et qui sera, comme vous savez, directeur de l'action sociale entre 1994 et 2000. Donc il entre dans le cabinet de Nicole Questiot comme chef de cabinet, c'est-à-dire c'est pas le DIRCAB, c'est le chef de CAB, c'est pas du tout le même niveau, et puis il devient conseiller technique. Il aurait ou il n'aurait pas réellement été coproducteur de l'adresse. J'ai l'impression qu'il y a des avis plutôt divergents sur ce point. Il faudrait lui demander. Alors, il y a eu un long entretien avec lui qui m'a été signalé par toi, d'ailleurs, que je ne connais pas. Donc, il faudrait voir ce qu'il en dit lui-même. Tiens, il dit qu'il est un des auteurs essentiels. Oui, il dit qu'il est... Je crois qu'il le dit, je l'ai entendu le dire. Mais c'est pas très clair. Bon. Le Sirogrel, c'est ce que
que dit Nicole Questiot elle-même. Elle dit pas Pierre Gauthier. Tout à fait. Hein, voilà, je vous laisse tout ça. C'est des problèmes, évidemment, peut-être un peu techniques, mais... Alors, je rappelle aussi qu'elle est, à l'époque, flanquée de 3 secrétariats d'État. L'un pour la famille avec la bien connue Georgina Dufoy, enfin ceux de cette époque-là, qui va devenir ministre ensuite à la place de Bérégovoy. Un autre secrétariat d'État pour les personnes âgées avec Joseph Franceschi. Et un troisième chargé des immigrés avec François Autain, qui renvoie d'ailleurs au centre d'intérêt de Nicole Questiot, dont elle a fait mention encore tout à l'heure. L'immigration et la question des personnes âgées. Alors, quant à la DAS, après Ramoff, qui était directeur de l'action sociale depuis déjà le milieu des années 70, c'est Marinette Girard, qui est inspectrice de la sécurité sociale, qui est nommée. Je signale aussi que Guy Raffi, qui est un énarque qui a fait carrière dans l'agriculture avant de faire carrière dans le social, qui est un énarque également, qui reste en place en 83, il est là depuis 75, et il reste en place en 83, et je note aussi qu'il n'y a aucun représentant direct des métiers concernés. Ce n'est pas une mauvaise foi de sa part, ça ne se pratique pas. Ça dit d'ailleurs quelque chose du statut politique de ces métiers. Non, ce n'est pas de ce côté-là qu'on va chercher de l'expertise, pour le dire clairement. Alors, on dit des tas de choses. Guy Raffi juge l'adresse lyrique et précautionneuse. Jean-Michel Bellorget, un autre dont on parlera un peu plus tard parce qu'il occupe une place tout à fait centrale, en parle comme d'une lettre pastorale. Bon. Et des journalistes du Monde parleront d'un idéalisme irresponsable. Merci d'ailleurs pour les coupures du Monde que tu m'as envoyées. On dit de tout, enfin à chaud. À chaud, hein. Tout ça c'est à chaud. Alors, sans tomber dans ces jugements de valeur, moi j'observe au moins 2 sensibilités présentes dans ce cabinet. D'un côté, une sensibilité administrative et technique, incarnée entre autres alors par personne que je cite là, Madame Catherine Blum-Girardeau, qui avait été l'auteur en 72 de Vers un système de statistiques sociales, préoccupation déjà ancienne. Techniciste un peu, et qui va publier en 81, à la demande de Nicole Questiot, un important rapport pour le ministre, pour la ministre, intitulé « Les tableaux de la solidarité », qui avait connu une grande diffusion à l'époque, je m'en souviens personnellement. Et puis de l'autre, une sensibilité que je qualifierais plutôt, alors c'est moi qui invente ces mots-là, de pro-social d'abord. Le social d'abord, en quelque sorte, mais je mets pro pour renchérir. Alors, bien présenté, entre autres, par Pierre Gauthier, hein, mais qui arrive un peu tardivement dans ce montage, et puis aussi par Hubert Le Sirot-Grel, militant syndical, ancien haut responsable à la CFDT, membre du Parti Socialiste, auquel d'ailleurs, bon, elle confie, avec qui sans doute elle co-rédige cette affaire-là. Y compris sur un bout de table, je crois qu'elle raconte ça. Hein. Là, bon, c'est là que ça s'est fait, oui, là. Voilà. Elle désignait une table ronde qui était chez elle. Si j'étais pas présent, mais vous étiez chez elle. Bon, tout ça est un peu léger comme indication, mais on arrive à essayer de recomposer un tout petit peu le contexte humain. Hein. Alors, ce choix me semble révéler en tout cas une double proximité avec un courant administratif techniciste qui, vu le contexte qui commence à se durcir un tout petit peu, se veut sérieux sur tous ces sujets préoccupants, mais aussi une autre sensibilité du côté des syndicats, lesquels, il est vrai, pour l'essentiel sont plus
sensibilisés par d'autres dossiers que le travail social. Par exemple, la retraite à 60 ans. Alors ça fait écho à des questions tout à fait d'actualité, dont Nicole Questiot dit qu'elle a été très fière. Très fière. Hein. Elle a vendu à Mitterrand la retraite à 60 ans. Voilà, c'est comme ça qu'elle en parle, je crois bien. Ou bien l'augmentation des prestations sociales, alors, qui lui sera durement reprochée par la suite, hein, pour son irresponsabilité financière. Alors, on peut comprendre que c'est peut-être cette seconde proximité qui l'a conduit à impulser assez rapidement la création d'une structure consultative inédite. Alors, je ne sais pas si elle vous en a parlé, je n'ai pas entendu ça. Rapidement, peut-être, je crois, c'est ça. Le Conseil supérieur du travail social, dont on peut penser qu'il est en partie inspiré par le Conseil supérieur du travail créé dès 1891. C'est un peu le même modèle à discuter. En tout cas, le CSTS regroupe notamment des représentants des pouvoirs publics, des syndicats, des organismes de formation et d'exercice professionnel. Donc là, il y a une espèce de gamme beaucoup plus élargie que ce qui se pratique normalement dans ces domaines. Alors, cette initiative d'esprit paritaire, coopératif, est pleinement en raccord avec, je dirais, l'adresse qu'elle va écrire, ou d'ailleurs elle l'y annonce pour l'automne 82. Alors, le CSTS ne sera finalement créé qu'en 84, mais elle aura démissionné entre-temps, et le ministère aura changé de titulaire, puisque c'est Bérégovoy qui prend la suite sous l'intitulé Affaires sociales et solidarité nationale, que j'ai déjà signalé. Alors, j'ajoute qu'il semble exister autour d'elle un deuxième cercle très actif, mais sans doute plus complexe et avec moins de traces, et politiquement beaucoup plus faible que toutes ces personnes qui relèvent d'organisations précises. Une sorte de boîte à idées, avec des fois des professionnels, souvent des militants, ou des proches du Parti socialiste, aussi quelques universitaires, quelques chercheurs, quelques hauts fonctionnaires à titre personnel, dit-on, à titre personnel. Alors ainsi, par exemple, j'ai dans mes archives, que j'ai ressorti à l'occasion, un document encore officieux dit « Projet socialiste pour l'action sociale ». Ça doit être assez peu connu. Bon. Dans un compte-rendu des travaux de juillet 81, apparaissent le nom de Jacques Latsous, éducateur spécialisé depuis 1945, bien connu de pas mal d'anciens, peut-être des gens plus récents parce qu'il a écrit énormément des tas d'ouvrages, et de quelques autres difficiles à caractériser parce que c'est des noms, alors il faudrait les vérifier, je ne les connais pas. C'est sans doute Jacques Latsous qui m'avait dit un jour que Gérard Zribi, bien connu dans le champ du handicap, qui est encore actif aujourd'hui, avait également participé à ce groupe. Donc ça serait à reconstruire, hein. J'ai pas de données supplémentaires, mais ça serait intéressant de savoir ce qui se mijotait sous le label du Parti socialiste dans les dernières années à ce sujet. En tout cas, les textes que j'ai pu parcourir fourmillent de propositions visant notamment à soutenir la politique d'action sociale. Ça, je pense que c'est là-dessus qu'il y a un accrochage important. Donc après l'expérience du secrétariat d'État à l'action sociale de René Lenoir, et en même temps en y intégrant les enjeux des pratiques concrètes des travailleurs sociaux de terrain. Ça peut être l'aspect le plus intéressant. Je ne sais pas si ce projet a jamais été validé par le Parti socialiste. En tout cas, elle n'en parle pas. J'ai bien écouté, elle n'en parle pas. Hein. En 81 avait également été créé un groupe dit Fonds de France. Alors peut-être certains ont souvenir de ça. Fonds de France, à l'instigation de Pierre-Jean Andrieux, un fonctionnaire militant, qui était dans les eaux administratives du secteur de l'action sociale, élu local également, et qui deviendra par la suite consultant, qui est sorti de son statut.
Et puis Gérard Martin, université en sciences politiques à Grenoble, donc que certains connaissent aussi parce qu'il a sévi un certain temps dans des tas de montages. Oh, sévi n'est pas le terme exact d'ailleurs. Bon, c'est Gérard Martin qui rédige le compte-rendu final sous le titre « Décentralisation et politique sociale ». Nous sommes en 81. Mais ce texte est très top-down, c'est-à-dire il prend les choses vues d'en haut, hein, vues d'en haut, un peu comme beaucoup de gens des sciences politiques de l'époque, et laisse peu apparaître la question des pratiques concrètes des professionnels. Alors, je pense que Nicole Question ne pouvait pas ignorer toute cette littérature-là. Parce qu'on y retrouve finalement une sorte de tension entre une approche concrète et une approche technique, hein, technique et plus globale. Voilà, tout ça joue, hein, tout ça est dans l'air du temps, comme elle dit gentiment dans son propos. Alors, pour autant, plusieurs questions surgissent. Je ne sais pas si je passe trop de temps. Oui, ça passe. Enfin, bon. Il reste une dizaine de minutes. Bon. Plusieurs questions surgissent. Quelle avait été sa carrière proprement politique? Alors, de toute évidence, elle a une conviction forte de gauche. Depuis longtemps, je n'en connais pas les origines. Je ne sais pas si elle s'en est expliquée. Non, pas très. Pas très, hein, c'est bien ce que je pensais. Elle s'engage d'abord au sein de la mitterrandienne Convention des institutions républicaines. Puis elle participe un peu comme experte en 71 donc au congrès d'Épinay du nouveau parti socialiste où Mitterrand devient premier secrétaire. Puis elle se rapproche à la fin de la décennie de l'aile gauche du PS, à savoir le CERES, c'est-à-dire le Centre d'études, de recherche et d'éducation socialiste fondé par Jean-Pierre Chevènement, Didier Motchan et quelques autres, dont le soutien avait d'ailleurs permis, je rappelle, la victoire de François Mitterrand contre Rocard. Hein, c'est pour la petite histoire des jeux politiques. C'est pas négligeable, contre Rocard et contre VGE dans un second temps. Cela étant, au sein même du PS, quels étaient réellement ses appuis? Ils existaient sans doute, mais le CERES ne me semble pas avoir été le plus engagé sur ses aspects professionnels des questions sociales, préférant lui aussi aborder les choses par des approches beaucoup plus élevées, globales, en tout cas en extériorité par rapport à ses pratiques de terrain. Hein, ça fait partie du style de Chevènement et compagnie. Alors, avait-elle été volontaire pour ce poste? Il me semble que non, ou plutôt qu'on soit allé la chercher du côté du Conseil d'État, où elle avait la réputation d'être parmi les conseillers les plus performants en droit administratif. Bruno Latour, dans une recherche sur le Conseil d'État que j'avais dans mon laboratoire, parle d'elle en termes de... elle était la plus virtuose, hein, en termes de... Alors, je ne sais pas si elle reprend. Je ne sais, oui, elle en est fière. Elle ne le reprend pas, mais ça a été dit. Ce texte, cette formule est évidemment forte. Alors, peut-être aussi parce que sur le social, autre aspect de ses intérêts, de ses pratiques antérieures, elle avait publié peu avant avec Jacques Fournier. Alors Jacques Fournier, c'est l'ENA, conseiller d'État, futur secrétaire général du gouvernement en 82, qui deviendra PDG du Gaz de France et de la SNCF. Belle carrière. Hein. Deux ouvrages connus mais très différents l'un de l'autre. Le premier, c'est le traité du social, un peu didactique, situation, lutte politique, paru au PUF, chez Dalloz, pardon, et la Fondation nationale de sciences politiques. Et en 1976, un ouvrage beaucoup plus politique, toujours avec Jacques Fournier, Le pouvoir du social. Le pouvoir du social. C'est une prise de position. Je ne fais pas de commentaire sur le contenu, mais vous voyez bien que rien que dans le titre, il y a une intention, une visée. Alors, entre l'économique dont il procède et le politique sur quoi il débouche, le social fait parfois figure de parent pauvre. Citation, la seule que j'ai prise. Alors, donc, ces titres-là révèlent quelque chose d'à la fois très sérieux, très technique, très militant en même temps. Tout ça combiné, hein, tout ça combiné, mais traversé par une tension entre l'économique et le politique. Et de fait, c'est le gros problème de sa courte période. Alors, qu'en était-il enfin de sa situation au sein de l'exécutif?
Son poste et l'intitulé de son poste auraient été imposés donc au président par Pierre Mauroy lui-même. Pourtant, bien que ministre d'État pendant un seul mois, au sein de l'exécutif, elle s'est heurtée à une certaine indifférence, voire à un peu d'hostilité. C'est dans l'entretien qu'elle raconte, je crois, qu'elle avait imaginé d'introduire un bilan social régulier au sein du Conseil des ministres et qu'elle s'est fait moquer. Moquer. Elle emploie ce terme-là, d'ailleurs. Moquer. Le terme est fort. C'est-à-dire que, bon, bah, peanuts, quoi. Enfin, on va pas perdre son temps avec des histoires pareilles. Tu vois, voyez. Donc, c'est quand même lourd. C'est lourd à lever, malgré son militantisme personnel. Alors, plus précisément, elle a affaire à deux poids lourds, et non des moindres. Jacques Delors, d'un côté, dont on reparlera tout à l'heure, ministre de l'économie et des finances, qui souvent contrariait ses projets, surtout au plan financier, l'obligeant à négocier, ce dont elle se plaint. Le social, fallait toujours monter à l'assaut. Elle dit les choses à peu près comme ça. Et Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur et de la Centralisation, dont elle nous dit, là je l'ai entendu aussi là, qu'il poussait fortement la décentralisation du social. Du social, avant tout, hein, rapidement. Alors il y a sans doute des raisons à cela, c'est peut-être aussi la faiblesse de résistance du social lui-même à l'idée de décentralisation, convaincu qu'il était par le, je dirais, l'idéologie de la décentralisation. Hein, ce qui fut fait, puisque vous savez que c'est le modèle départementaliste qui l'a emporté sur le modèle Rocard, qui était beaucoup moins départementaliste que ça. Alors, elle ne semble pas avoir eu la même conviction pressée en faveur de la décentralisation du social, mais elle était liée par une solidarité gouvernementale, la promesse du président. Donc elle n'était pas contre. Elle n'était pas très pour non plus, en tout cas, pas aussi vite, pas de cette façon-là, pas brutale. Alors c'est vrai que ça avait suscité, moi j'ai le souvenir au sein de la DGAS que je fréquentais un tout petit peu à cette époque-là, d'un débat sur le fond, fallait-il décentraliser ou non l'aide sociale à l'enfance, bloc de compétences, aide sociale à l'enfance. Alors il y avait deux thèses, il y avait la thèse de ceux qui pensaient que c'était une mission de souveraineté à l'égard de la justice et de la police et que sais-je, et de l'éducation nationale, et que ça devait rester une affaire centrale. Et puis ceux qui étaient dans l'esprit un peu du rapport Bianco-Lamy, alors Bianco-Lamy c'est juste avant, 80, mais sur l'aide sociale à l'enfance, qui considéraient que finalement c'était moins les enfants qu'il fallait protéger que les parents, qu'il fallait aider et qu'on aurait un effet secondaire sur les enfants. Et là ça supportait bien la décentralisation. Ce qui fut fait. Oui, bon, d'accord. Comment veux-tu faire ? J'en dis trop, peut-être. Bon. Parenthèse, elle a une meilleure entente, donc, vous l'avez bien compris, avec Jean-Pierre Chevènement, ce qui a été à l'occasion, une belle occasion pour construire la MIR, la mission recherche du ministère des Affaires sociales, à laquelle j'ai appartenu pendant 4 ans, puisque c'était soutenu par deux proches au sein du CRS qui avaient une certaine idée de la recherche. C'était pas tout le monde. Voilà, alors c'est dans cet environnement qu'elle a progressé, mi figue, mi raisin, et au contraire, et c'est la question qu'on pourrait se poser pour clore un peu cette séquence, pourquoi donc a-t-elle osé entrer avec talent et bravoure, parce qu'il y a de la bravoure dans son truc, elle croise le fer avec je ne sais pas qui, avec son imaginaire peut-être, dans la boîte noire du travail social, stricto sensu, pour le mettre en visibilité. Parce qu'elle a mis en visibilité, elle a pris le risque de mettre en visibilité cette petite chose-là qu'on appelle le travail social. Alors d'où lui vient cet intérêt singulier ? Je passe, parce que ça a été rappelé tout à l'heure, l'épisode de l'assistante sociale de Rouen, le SSAE, via Delors, la gérontologie, que sais-je, et France Terre d'Asile, bon tout ça je balaye. J'ajoute que dans un mémoire qu'elle avait rédigé à l'ENA alors qu'elle n'était pas encore en fin de formation, en 1955, elle s'était intéressée au cas des associations régionales de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les ARCEA. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire,
qui n'ont pas lu mon livre sur l'héritage de Vichy. Ah oui, tu as oublié de signaler ça quand même. Bon, les associations régionales de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, c'était le fruit de la première structuration de la politique de l'enfance inadaptée. Elle a fait dans ce texte que j'ai lu autrefois quand je faisais ce travail de recherche, pour critiquer de façon très orthodoxe, la confusion entre les associations privées et le service public. En disant il y avait confusion là. Autrement dit, les associations ayant pu bénéficier en quelque sorte de certaines missions de service public, les juristes d'ailleurs récusent la notion de mission de service public puisqu'il n'y aurait que des délégations et pas des missions. Des faunés, un peu ce qu'on appellera plus tard des faunés, et jusqu'au sein du ministère de la Justice, hein, je peux en témoigner. Voilà. Alors, en conséquence de tout cela, malgré son aura, ses engagements politiques certains et sa carrière déjà longue à cette date, hein, faut pas oublier que c'était une des premières femmes conseillères d'État, c'est quand même pas négligeable dans la petite histoire du féminisme en remontant à ces années-là, Nicole Questiot me paraît malgré tout relativement isolée et sans troupe. Hein, elle n'a pas de troupe, elle a des réseaux, elle a quelques réseaux. Sur la question singulière du travail social, elle ne me semble pas disposer de soutien dans le champ politique lui-même. Je crois que fondamentalement, c'est plus une femme d'influence qu'une femme de pouvoir. Hein, avec une qualité, c'est celle d'être virtuose des questions administratives, mais ses ouvrages, sa manière d'aborder, de prendre des risques sur un sujet mineur, c'est pour faire de l'influence. Et elle en aura, et elle en est fière. Il y a 40 ans après qu'on veuille encore célébrer une simple circulaire non contraignante, vous vous rendez compte, ça commence comme ça. La première séquence, c'est tout à fait intéressant. Enfin, ça, vous l'avez ressenti. Hein, ça se sent très bien en écoutant. Bon. Alors, peut-être pour cette raison-là, cette adresse, qui est souvent innovante, qui est profuse, toujours agréable à lire, c'est pas mal fait, reste un corpus politique un peu vite fait quand même, inabouti. Tu as repris le texte inabouti, d'ailleurs, je pense que c'est très juste. En tout cas, inégalement développé dans les différentes sections ou domaines qu'elle entend couvrir. Elle couvre surtout, et plus de manière assez importante, et le droit des usagers. C'est ça d'ailleurs qui sera retenu très longtemps en sa faveur pour fonder des tas de trucs, jusque dans le texte de 2015, hein, où les deux préfacières du rapport Bourguignon citent encore cette chose-là chez Nicole Questiot, et ne citent que ça. Elle aurait établi définitivement les droits des usagers, alors 2015, etc. Voilà. Mais c'est un peu dans l'air du temps à ce moment-là, pour reprendre une expression qui lui est chère. C'est à la même date que Pierre Mauroy confie à Michel Sapin, qui est alors jeune député rocardien d'Orléans, je crois, du Loiret, le soin d'un premier rapport officiel sur les droits des usagers du service public. Bon, c'est un peu oublié dans l'histoire des usagers, mais c'est pas négligeable. Et des services publics stricto sensu, c'est ça qui est important. Alors, c'est d'ailleurs elle qui va faire aboutir en janvier 82 une autre loi, souvent oubliée, sur les droits des familles en rapport avec les services de l'aide sociale à l'enfance, qui est passée sous silence en grande partie, faisant suite au rapport Biancolami. Donc elle le renforce en quelque sorte en renforçant la qualité d'usager des familles qui ont affaire avec les services de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Alors, le respect aux professionnels par les autorités politico-administratives, par les usagers, n'est pas autant souligné, contrairement à ce qu'elle développera 30 ans plus tard dans un article de la revue Vie sociale, dont je parlerai si j'ai le temps. Bon, voilà. Alors, ça, c'est la première partie. Je suis désolé, il y en avait trois comme ça, mais j'aurai pas le temps, mais vous aurez le texte. Alors, deux mots sur ce que j'avais prévu de dire pour aborder le sous-texte. Alors, je vais le faire de mémoire pour aller très vite et pouvoir passer à la suite.
Pour moi, dans les années 70, il y a plusieurs courants qui traversent le champ des questions sociales. Et alors, d'un côté, un courant un peu techniciste précocement, où on retrouve l'incontournable Jacques Delors, notamment qui publie en 72 les indicateurs sociaux. Alors, avec un certain nombre d'élèves qu'il a à l'ENA, où il intervient comme chargé de cours, je pense, il n'est pas titulaire, mais il doit faire ça. Entre autres, il est au plan, il est conseiller de la CFDT, etc., etc. C'est Delors, il est économiste au point de départ. Hein. Et donc, les indicateurs sociaux, c'est très intéressant, parce que c'est la quête du chiffre. C'est l'institution du chiffre pour dire le social, en quelque sorte. C'est son ambition. Et il se plaint d'ailleurs dans ses mémoires, qui sont intéressantes à lire, ce que je vous conseille si vous tombez dessus, il se plaint de ne pas avoir été suivi. Hein, mais il aura sa revanche. Hein, alors il aura sa revanche un peu plus tard. Bon, Jacques Delors, c'est un homme important, parce que il est ce que je viens de rappeler très rapidement. À sa suite, d'ailleurs, il y aura des tas d'occasions que ce courant-là de pensée s'affirme. Je pense aux études de rationalisation des choix budgétaires, les RCB, qui sont à l'origine du rapport Bianco-Lamy, d'ailleurs, ce qu'on dit pas souvent non plus. C'est d'abord une quête de rationalisation financière des coûts entraînés par la protection de l'enfance. Il y a eu d'autres rapports sur la protection de l'enfance au début de la décennie, mais celui-là est quand même motivé. Alors, bon, c'est un cadre plus large, parce que les auteurs énarquent eux-mêmes anciens élèves de Delors. Hein, c'est là où il y a des successions. Oui ? D'accord, je peux finir cette phrase-là quand même. Bon, parce que là, au milieu d'une phrase, c'est embêtant. Bon, alors ça, c'est le courant qui circule, qui n'est pas hostile à l'autre courant, au contraire, qui entend le servir. Hein? Alors l'autre courant, c'est le courant que j'ai appelé tout à l'heure le social d'abord, qui s'épanouit lui aussi. Alors, pour mémoire, le numéro d'esprit de 72, pourquoi le travail social, qui a été un acte de naissance du travail social comme question politique, comme politique et intellectuelle. Hein, c'est-à-dire que l'affaire qui était méconnue est sortie au grand jour. Bon, il y a toute une série d'initiatives ensuite, la prévention spécialisée, les travaux de préparation de la loi 75 dans le cadre du commissariat général du plan, qui est un endroit où il se passe énormément de choses dans ces périodes-là. Et puis l'arrivée d'un secrétariat d'État à l'action sociale, Chirac, VGE, en 74, qui va durer quelques temps, pas très longtemps, qui s'entoure évidemment de jeunes énarques réformateurs, Jean Bellorget et compagnie, qui sont aussi des élèves de Delors. Tout ça n'est pas contradictoire, même si les deux courants divergent un tout petit peu sur certains aspects philosophiques ou de philosophie générale, concrètement, ils sont associés. Un Bellorget est tout à fait dans tous les coups. D'ailleurs, il le restera longtemps. Il sera le dernier élu au Parlement à s'intéresser aux questions sociales et au travail social en particulier, et même au Conseil d'État où il a fini sa carrière. Il n'était plus que deux à s'intéresser au social, disait-il, lui et Michel, comment il s'appelait, Michel, qui était au CTN à un moment donné, là, Michel. Bon, je ne sais plus, ça va me revenir, mais c'est pas grave, tu me presses, alors ça va. Voilà, il y a ces deux courants-là. Et je pense que Nicole Questio est elle-même prise dans ces deux courants-là, dans l'un comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'elle a des attaches des deux côtés. Et d'une certaine façon, ça explique un tout petit peu la teneur, bon, inaboutie de cette affaire, mais aussi son audace à essayer de sortir cette quelque chose de l'invisible. Hein. Voilà, je vous le fais très très simple. Alors, pour ce qui est de la suite, si j'ai encore quelques minutes. Tu peux. Mais c'est surtout pour qu'on puisse également consacrer un peu de temps, oui, à l'échange. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je répondrai à des questions, parce que là, je vais très, très vite. Pour ce qui est de la suite, bon, il faudrait passer un certain temps à analyser la décentralisation et les conséquences, les non-suites
de l'affaire Questio articulée à la décentralisation. Ça, on est parti dans une autre direction qu'a fabriqué, qu'a reconstruit structurellement quelque chose d'assez fondamental, jusqu'à l'acte 2 qui faisait du département le chef de file de l'action sociale, et au déclin de la DAS, des DRAS, des DAS, etc. Enfin, successivement, il y a quand même, du point de vue structurel, purement structurel, des changements considérables. Bon, je passe là-dessus. Je veux simplement signaler que au cours des années 2000, la revue, enfin, il y a eu des initiatives en direction de Nicole Questio. Alors, j'ai trouvé la référence à un texte que je ne connais pas. C'est un interview que Jacques Latsous aurait fait de Nicole Questio en 2004. Alors, ça, je l'ai découvert tardivement. Je ne sais pas si tu le connais. Dont c'est paru dans VST, Vie sociale et été traitement. J'en connais pas la teneur, j'en connais qu'un morceau. C'est très politique. C'est très politique. Donc, comme si elle avait à se venger des coups qu'elle a reçus au sein de l'exécutif au début des années 80, aux premières heures de la Mitterrandie. Hein? Elle règle ses comptes. Alors, il y a ensuite, dans la revue Vie sociale du CEDIAS, il y a aussi une série là tout à fait intéressante en 2011. D'une part, alors attendez, je vous le fais très, très rapidement. Bon, d'une part, elle participe à un numéro sur les nouveaux territoires de l'action sociale. J'ai la date, mais vous le retrouverez. Où elle parle de politique sociale. De politique sociale, et aussi elle règle ses comptes. C'est un peu une autre occasion. C'est peut-être d'ailleurs lié à l'interview qu'avait proposé. L'ouvrage collectif, c'était l'ouvrage collectif dans lequel elle avait écrit un article sur la territorialisation. C'est le numéro de Vie sociale qui est sur les nouveaux territoires du social. D'accord. Et elle en profite pour faire. Je vais vous donner le titre quand même parce que c'est pas inintéressant. 2011, oui. Mmh. Attendez, je... Voilà. 2011-2, les nouveaux territoires du social. Et elle développe une approche politique du social. Voilà. Carrément, bon, elle règle ses comptes. Ensuite, en 2011-4, il y a donc là un second numéro de Vie sociale où elle intervient, et ça c'est un texte qui à mon avis est très très intéressant, dans le cadre des suites des états généraux du social des années 2004-2005, suivi par un séminaire au CEDIAS auquel elle avait accepté de participer d'ailleurs pleinement. Je me souviens l'avoir eu au téléphone à ce sujet, ça ne posait aucun espèce de problème, et elle avait donc fait une contribution dans ce qui a été publié par Vie sociale par la suite. Le thème général, c'est de quelle politique de solidarité veut-on. Bon, ça faisait écho à l'intitulé même de son ministère, la solidarité réapparaissait, et elle avait donc développé un truc qui s'appelle travail social pour une société de responsabilité. En réalité, c'est pas une adresse qu'elle reprend, c'est trois adresses. Et c'est ça qui est intéressant, cette trilogie est très intéressante, parce que sa pensée est un peu de dialectique comme ça. Hein, c'est une adresse destinée ce qu'elle appelle aux professionnels, et là elle défend alors bec et ongle les professionnels, la professionnalisation, c'est jamais elle était aussi tranchée que ça, et dans l'adresse du coup elle l'est peu, hein, par rapport à cette nouvelle adresse. Ensuite elle adresse un message aux autorités politico-administratives en les engueulant, hein, parce qu'ils ne prennent pas en compte, enfin, elle est contre ce qui est en train de se faire, sans le nommer, mais elle est assez, assez vindicative contre ça. Et les usagers, où elle modère un tout petit peu, bon, on sent que c'est plus l'adhésion, c'est plus, quelque chose a changé, mais il reste le triptyque.
moi, en termes de triangle des légitimités, il y a une légitimité des décideurs, des financeurs, des décideurs, incontestable, Conseil d'État, on ne peut pas dire autre chose. Il y a une légitimité des usagers, bien évidemment, puisque c'est les bénéficiaires. D'ailleurs, elle évite de les appeler usagers, elle les appelle par les personnes. Elle a une formule pour ne pas dire usagers. Comment ? Concernés, un truc de ce genre. C'est même pas ça, d'ailleurs. C'est même pas ça. Les publics utilisateurs, c'est encore plus euphémisé. Hein. Bon, donc on s'écarte un tout petit peu de l'évangile de l'usager qui est resté un tout petit peu. Et donc là, elle trouve qu'il faut surtout que les professionnels se mobilisent au service des usagers. Et c'est pas l'usager qui sait tout sur lui, ce qui est bon pour lui. Hein, contrairement. Alors, donc elle est là anti-libérale d'une certaine façon. Elle est dans une posture très anti-libérale. Voilà. J'en ai fini. J'en ai fini peut-être par un mot que je dirais. C'est que je crois que malgré tout, ce texte de référence, qui est salué comme un texte historique à juste titre, peut encore servir à réfléchir à la façon de relancer une réflexion qui a fait défaut, parce que entre 82 et 2015, si je prends ces deux, que s'est-il donc passé en termes de doctrine? C'est nul, c'est plat, c'est rien du tout. Et même lorsque Pierre Gauthier, je finirai par celui-là parce qu'il m'intrigue, quand il a été plusieurs années, 5 ans ou 6 ans, directeur de l'Action sociale, s'autorisant de Nicole Questiot qu'il avait secondé, il n'a rien fait pour ralentir le processus qui était déjà très très engagé. Et ensuite, il a laissé partir avec d'autres, il est passé à l'Unaforis, à mon avis, c'est un signe d'échec pour lui. Il a laissé partir la DAS, qui est devenue la DGCS, puis qui est devenue n'importe quoi, avec la RGPP, ça a failli disparaître purement et simplement. Les DAS ont été liquidées progressivement et remplacées par des agences sur un mode anglo-saxon. Voilà, on est dans cette configuration-là, et là, Gauthier n'a pas fait de questions. Voilà, merci. Merci Michel Chauvière. Oui, le texte de Michel Chauvière est dense et il ouvre plusieurs pistes de réflexion, mais il sera disponible lors du compte-rendu de cette journée. Voilà. Quelques informations. Le déjeuner est prévu à 13h, donc la restauration nous attend qu'à 13h. Donc, bien évidemment, nous prendrons une dizaine de minutes pour la pause. Donc, on va néanmoins prendre quelques temps pour échanger avec Michel Chauvière pour qu'après nous puissions faire une pause et attaquer la seconde séquence qui se terminera vers 12h45. Voilà. Merci pour votre compréhension de ce délai un peu décalé par rapport à ce qui était programmé. Mais pas de souci, nous avons jusqu'à 12h45 minimum. Bien. Quelqu'un dans la salle souhaiterait réagir au propos de Michel Chauvière dans cette contextualisation de la circulaire de Questiot et puis de quelques pistes là qu'il nous invite à saisir ou à emprunter. Ouais. Bon. Voilà. Moi, il me semble, on va attaquer, puis sans doute. Moi, il me semble que tu évoquais tout à l'heure le déséquilibre du texte de Michel Questiot, de Nicole Questiot. La plus grande partie qu'elle consacre, c'est quand même en direction des associations et de leur rapport au pouvoir politique. Je l'ai rebalayé hier soir, c'est pratiquement 4 pages qu'elle consacre. Quasiment un peu à l'identique avec les usagers. Ça, c'est le. Moi, il me semble que ça, si tu peux en dire quand même quelques mots de cette partie sur les associations, où à la fois elle fait l'éloge de ce qu'elle appelle dans l'interview la société civile, qui est toujours
un terme un peu vraiment, voilà, un peu fourre-tout. En tout cas, on a du mal à définir ce qu'est la société civile. Dans son texte, elle parle bien d'associations en les situant comme les associations sociales et médico-sociales. Elle en fait l'éloge de par leur créativité, leur activité, la nécessité pour ces associations d'avoir une démarche d'autonomie, d'indépendance, mais en même temps, il y a clairement dit que pour autant, elles ne peuvent pas complètement faire cavalier seul. Elles doivent, la raison sociale des associations, c'est aussi d'appliquer les politiques publiques, être au service, à l'époque, des enjeux d'insertion économique. Oui, alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ce n'est pas nouveau. Là, du coup, sur ce terrain-là, elle reprend des choses. C'est déjà un peu l'esprit de la deuxième loi de 1975, sur les institutions sociales et médico-sociales. La présence même du mot « institution » est intéressante. Parce que plus tard, avec la décentralisation, et puis plus tard avec la LOLF, on ne parlera plus d'institution. D'ailleurs, maintenant, on est dans la désinstitutionnalisation. Alors, c'est plus que la fermeture, c'est du symbolique aussi. C'est ce que contenait de vitaliste le mot « institution » comme lieu de vie. Hein. Donc là, elle est, amende pour moi... C'est pour ça que je ne l'ai pas souligné, elle n'est pas très innovante sur ce point. Et c'est la conseillère d'État qui parle. Parce qu'elle parle, en partant de l'État. Alors elle peut ensuite valoriser ce qu'elle appelle la société civile. Alors c'est déjà d'ailleurs une catégorie qui est très discutée. Mais j'ai rappelé qu'elle était intervenue très tôt, et de manière orthodoxe, sur les RCA. Je crois qu'elle craint un mauvais ajustement entre les associations qui ont des velléités d'indépendance et les pouvoirs publics qui ont besoin de relais pour la mise en œuvre. Oui, là, c'est pas le fait qu'il y ait du privé. Le danger d'une logique monopolistique d'un certain nombre d'associations qui viendrait d'une certaine manière déséquilibrer la logique démocratique territoriale au niveau des associations. Mais cette réalité, elle est encore présente aujourd'hui. Oui, mais tout à fait. Mais on est, enfin, c'est pour ça que c'est pas nouveau. De mon point de vue, c'est pas nouveau. C'est une autre lecture, peut-être, mais le nouveau, c'est de rajouter l'usager là-dedans. Oui. Michel Chauvière, je ne signalais pas cette question comme étant quelque chose de nouveau dans son propos, mais plutôt dans le fait qu'il y a une forme de continuité dans la relation des pouvoirs publics à l'égard des associations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les financements sont publics, c'est ça son argument principal, les financements sont publics, donc le prix de journée et toute technique utilisée crée de la dépendance, des associations, de la dépendance extrême même. Bon, donc, l'illusion de l'indépendance d'une certaine manière associative. C'est quand même une forte dépendance quand même, une forte dépendance. La preuve pour l'instant, il y a moins d'efforts... pour couvrir l'ensemble des frais engagés ou des nécessités. Et du coup, les associations, que ce soit de gestion d'établissements de formation ou d'établissements, etc., sont invitées à aller chercher de l'argent ailleurs, là où il y en a. Et on a même changé les financements en faisant appel à des investisseurs privés, ce qui n'est quand même pas l'idée de Nicole Questio. Hein. Les social impact bonds, ça démarre à Lille d'ailleurs, hein, si j'ai bien compris l'histoire. Avec le sombre Itier. Bon, il apprend, c'est son nom. Comment ben, c'est vrai, non? Oui. Ben, bien sûr. Bon, non, mais voilà, donc elle est complètement. Elle est conseillère d'État. Ouais. Elle est conseillère d'État, bien d'abord. Sûr. Mais Bélanger est pareil. Oui. C'est-à-dire, quand ils sont quand leur posture de conseiller d'État l'emporte, bon, ils ont ce type de... c'est top-down, ils organisent l'action publique. Tout à fait. Ils la régulent, ils les interviennent quand il y a des saisines, etc. Bon, voilà. Mais ils ne sont pas du côté... Alors, Bélanger joue le double jeu, parce qu'en même temps, il est président d'État d'association, de ceci, de cela. Ce que ne fait pas Nicole Questio à ce degré-là. Hein. Voilà. Mais
Tu as raison. Elle craint les faunés, quoi. Les faunés de l'action publique à travers des associations qui profiteraient l'argent public pour se faire de la thune ou de l'immobilier, oui, ce qui est assez vrai. Dans l'exemple aujourd'hui reste quand même groupe SOS. Hein, puisqu'on cite des noms, voilà. Et l'exemple même de cette évolution. Hein. Bah, le groupe SOS, oui, mais il a basculé dans autre chose. Hein. Ah oui, mais bon. Il a basculé dans autre chose. Dans la salle, des questions, des remarques, des. Alors dans ce cas, je voulais juste reprendre un point que tu avais souligné sur le côté politique non professionnel, enfin, question qui n'est pas une politique. On l'a senti un certain nombre de choses. Le fait, par exemple, elle le dit dans un autre moment de l'interview, 2h30, on n'a pas pu résumer tout en un quart d'heure, le fait qu'elle n'a pas fait gaffe au fait qu'elle perdait le titre de ministre d'État. Elle s'en est pas rendue compte, elle n'y a pas vu l'importance, elle n'a pas ressenti à quel point symboliquement ça pouvait être lourd comme conséquence. C'est sans doute un problème qui montre qu'elle a effectivement envie de faire des choses, mais c'est un milieu qui n'est pas le sien, dans lequel elle n'a pas forcément, voilà, son côté virtuose du droit social. Visiblement, dans ce contexte-là, ça fonctionnait moins. Et peut-être que là aussi, le côté manque de réseau, ça se retrouve à ce moment-là. Lorsqu'on a voulu mettre la main sur Nicole Questiot, on est parti dans plein de directions. J'avais tenté de demander à Jean Auroux, qui je connais par ailleurs, et voilà, alors qu'il fait partie lui aussi du CRS, il est dans la même mouvance politique, ils sont ministres en même temps. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de lien, rien. Ça veut dire qu'elle est vraiment dans. Elle est conseillère d'État, détachée pendant un certain temps dans ce. Et après, elle repart, elle fait son vrai métier, elle fait du droit social. Donc il y a vraiment cette idée, ou du droit administratif, il y a vraiment ce côté. Elle est missionnée pendant un certain temps. Et on le sent aussi, je crois que j'étais tombé là-dessus, dans les verbatims d'Attali, où on sent là aussi, dans certains conseils des ministres, le fait que Questiot prend plein la figure de la part d'un certain nombre de vieux routiers de la politique. Il y a un passage où il cite une petite phrase assassine de Defferre. Oui, mais moi, je n'habite pas à Neuilly. Ah. Dans le contexte du PS de l'époque, c'était effectivement. Voilà, donc c'était je pense qu'il faut insister sur le fait qu'elle y habite toujours. On en est témoin, on y est allé. Neuilly sur Seine. Oui, sur Seine, chez Sarkozy. Parce qu'il y a un autre Neuilly. Non, c'est pas le même. Donc voilà, donc le côté non professionnel en mission est sans doute pas forcément sensible au symbole du cadre politique dans lequel elle évolue un petit peu en étrangère à ce secteur-là. Et quant à l'élection, ça se fait. J'avais vu, je ne sais où, qu'elle a fait d'autres tentatives dans d'autres contextes et que c'est la première fois, effectivement, dans le contexte de 80, qu'elle a réussi à avoir un poste qu'elle n'a pas occupé et que son suppléant a occupé à sa place. Oui, pardon. Je trouve ce topo extrêmement étoffé au niveau politique. Mais ce que vous venez de dire sur les associations m'interpelle, parce que le texte, aussi nébuleux parfois, est extrêmement riche. Et pourquoi a-t-il été repris par les travailleurs sociaux, par les équipes? Pourquoi a-t-il été aussi moteur pour nous, équipe éducative? Au-delà du politique, il y a certainement un message qui est plus ou moins caché et qui a été repris au vol par les équipes pour motiver leur action et transformer leur action. Vu de mon côté comme animateur d'équipe, c'est ce que j'ai ressenti dans les équipes, c'est-à-dire institutions, d'accord, nous sommes des institutions lourdes, comment pouvons-nous modifier les trajectoires de notre institution? Comment les travailleurs sociaux peuvent modifier leur approche? Comment peuvent-ils ouvrir les murs et créer des services, etc.? J'ai l'impression que Questiot a été, pas la seule, hein, bien entendu, hein, mais a été motrice au niveau idéologique, quasiment, pour les équipes. Alors, le contexte politique, c'est-à-dire toutes les tensions qui sont à côté d'elle, qui la renforce, mais qui, d'après ce que tu expliques, quand même, la freine aussi énormément. Mais nous,
vu de l'intérieur des institutions, on n'a pas ressenti ces heurts politiques. On a pris en compte ce qui était moteur et positif. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, c'est la liaison entre ce que tu expliques et nos anciennes équipes, parce que je suis un vieux crabe, et les nouvelles équipes qui prennent le relais. C'est ça qui est important. C'est ce qui peut être repris comme moteur. Et je trouve que c'est ça qui est important pour nous. Mais, oui, mais je trouve ça intéressant ce qui est dit. Il y a un mot qu'on n'a pas employé, que moi je n'ai pas employé, mais qu'on aurait pu employer, c'est que pour une fois, il y avait de la reconnaissance. Et ça marche un peu comme le numéro d'esprit de 72. Il y avait le début d'une reconnaissance de l'existence même de ce secteur. Et question, à mon avis, prolonge l'effet reconnaissance, enfin, par les pouvoirs publics. Alors, il y avait eu un petit peu ça au moment de la création du secrétaire d'État à l'action sociale, qui avait été vécu aussi, je me souviens, parce que certains s'en rappellent, vécu comme un acte, enfin, de reconnaissance. Mais du coup, ça n'a pas laissé de trace importante, si ce n'est le nom de René Lenoir et les exclus, son livre. Le reste, bon, la création des IRTS peut-être, enfin bon, mais tout ça, c'est de l'histoire passée. Et puis les lois, mais les lois ne sont pas rattachées à ce secrétariat d'État. Elles vont vivre leur vie de loi pendant un quart de siècle, les deux lois de 75. Donc on oublie d'où elles viennent. Mais je pense que c'est le thème de la reconnaissance. Et d'ailleurs, je pense d'une certaine façon, au titre d'un ouvrage, tiens, il est parti, Michel Hôtès, il va revenir. Il est revenu. Michel, le titre du livre, c'est bien Connaissance et reconnaissance. Ah, le dernier. Il y a la légitimité du travail social. Oui, c'est ça. Oui. Mais il y a un jeu entre connaissance et reconnaissance. Connaissance comme actif. Il y a un texte là-dessus, je ne sais plus, ça s'embrouille un petit peu, mais il y a le thème de la reconnaissance, en tout cas, qui est repris. Et je crois que c'est tout à fait important. Alors, les moments de reconnaissance élevés de l'existence de ce champ, rien que son existence, hein, c'est même pas c'est même pas le débat sur sa signification, sont assez rares. Et pour finir sur esprit, parce que je veux leur faire la peau quand même un tout petit peu, il y a trois numéros d'esprit. Il y a trois numéros de la revue Esprit portant explicitement sur le travail social. Le premier s'intitule « Pourquoi le travail social ?» Ça ouvre les portes. Le second, 98, tu en étais d'ailleurs, je crois, Michel, c'est « À quoi sert le travail social ?» Sous-entendu, c'est pas le d'une certaine façon, la réponse est un peu dans la question. Et le dernier qui a un an, alors qui a été repris tout à l'heure dans un sens très gentil, mais il était une fois le travail social, si ça ne ressemble pas à un enterrement de première classe, je ne sais pas à quoi ça ressemble. En tout cas, la messe est dite. La messe est dite. Bon, Déo, non, je ne sais plus que c'est. Comment ? Itemisaest, oui, enfin, je ne sais pas, bon, peu importe. Fini la lettre pastorale de Nicole Questio. Voilà. Et ça, c'est de l'anti-reconnaissance. Là, du coup, l'image donnée est complètement contre-productive. Quoi. Et là, ils ne s'en sont pas rendus compte, d'ailleurs, à la revue Esprit. Mais... Bien. Merci.